bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans le CTS, merci, je vois que le public est chaud ce soir, il y a beaucoup de monde, merci à Corbeau31, j'espère que tout le monde m'entend, faites-moi un petit retour dans le chat, merci donc à Corbeau31, à Citaran Kai pour le follow, Curoi93, un artificial hall, merci à tous, et puis tous ceux qui participent dans le chat là, Eris, Skeruloulou, Ticker, Dapinouné, Skirou, 5 sur 5, impeccable. Sheza, Maléo, Nefelia, bien sûr. Et Corbeau31. Alors, comment ça va, les gars? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, on est très heureux voilà, d'accueillir les Frog Swarm. Je vais vous faire un peu un bilan de l'émission de ce soir, du live de ce soir, avec la première partie et la deuxième partie avec l'interview de votre équipe, j'imagine. Ouais, y a beaucoup de monde ce soir, ça va être chaud bouillant, hein. Le modérateur est chaud, Bilko, hein, la régie, tout le monde est prêt. Allez, ça marche. Donc, première partie, deuxième partie, on va faire une petite première partie. La régie peut-être qu'il peut mettre un peu de musique pour emballer le chat, là, s'il vous plaît. Et... Quoi, pas cote-cote, bah voilà, lui, ça va ressembler à ça. Ouais, non, en fait, là, je suis dans le 700i, là. C'est un vaisseau qui est... Vous êtes pas prêts, il n'est pas encore sorti, les gars. Moi, je suis pas dans le 890, là. C'est la version... Les poules sont dans la place. Ok, bon, les amis. On va faire la première partie. Je vais vous expliquer. On a sorti un Discord. On a sorti le Discord de la chaîne du CTS et Jack88. On a mis en place ce Discord pour que, si vous voulez spammer, donc point d'exclamation Discord, vous allez directement sur notre Discord, donc à moi et la régie, et vous pouvez directement mettre, nous suggérer des idées dans la boîte à idées, nous faire partager vos vidéos, les infos que vous voulez voir dans le CTS dans la première partie, voilà, c'est... C'est interactif, c'est vous qui allez faire la première partie du CTS, si on a assez d'informations, si vous voulez faire remonter des choses importantes, tout ça. Et puis voilà, on pensait que c'était plutôt sympa de diriger le Discord de cette manière, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu la vidéo de Sam SC et de Zvonimir qui ont fait, si vous voulez, Sam SC a fait un résumé du subscriber spécial et Zvonimir, lui, a fait toute la traduction complète. Donc si vous voulez le maximum d'informations sur cette vidéo qui est très très intéressante, parce qu'il y a beaucoup de points détaillés, il y a le futur scan, le roleplay dans le jeu, la persistance, il y a plusieurs minutes sur... plusieurs minutes sur la persistance. Et c'est vraiment pas mal, c'est assez détaillé. Voilà, je voulais mettre le point là-dessus. Si vous l'avez pas vu, allez directement voir les deux vidéos. Zvonimir, lui, a fait la traduction complète. Le gars est chaud. Dapinouné, j'aime pas les gens. Bah écoute, on va te faire aimer les gens, ne t'inquiète pas. Voilà, il y a plusieurs points sur la vidéo. Et voilà, je... Voilà, traduit avec son associé de toujours, Godslayer. Cas de docking. Et Sam SC qui a fait, lui, le résumé. C'est vous qui décidez, vous voyez. Moi, je vous envoie vers eux. Et puis, vous allez voir, c'est très, très, très bonne vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la Citizen TV a mis sur son site internet, donc, la TV. La TV, je crois pas qu'ils ont posté la traduction, mais voilà, vous avez donc la TV. Si vous voulez voir la traduction... Oui, Inside Star Citizen, pardon, c'est plus la TV. Et donc voilà, vous avez l'Inside Star Citizen posté sur le site Citizen TV, voilà, avec la vidéo, les différentes photos, etc. C'est hyper bien détaillé. Puis, si vous voulez voir vraiment le résumé ou la traduction, vous savez que vous avez Hugo Lisoire, Zvonimir, etc. Je bois un petit coup, les gars, un petit coup de Widow. Installez-vous bien, faites pareil, prenez votre Widow, prenez vos paquets de Big Bennies, installez-vous les gars. Je vois que le chat est hyper chaud, on n'arrive pas à les suivre, mais si vous suivez, il n'y a pas de problème les gars. Ah les gars, ils sont hyper chauds, hein. Ensuite, la vidéo de Teradash, est-ce que je peux vous proposer donc la vidéo de Terada, qui lui a l'habitude de faire de très belles vidéos en Razmoth avec ses vaisseaux. Ce sont des... On va dire, est-ce que c'est scénarisé? Je sais pas si on peut dire que c'est scénarisé, mais c'est bien mis en place, quoi.
Bah c'est propre quoi. Si vous voulez vous amuser à réitérer ce qu'il fait dans ses vidéos, etc. Bon bah vous pouvez aller le suivre sur Twitch et puis vous abonner à sa chaîne YouTube. Mais c'est toujours de très très belles images. Je pilote mieux que lui avec clavier souris. Bah pas de problème mec, vas-y, fais des vidéos, montre-nous, au contraire, et puis tu les posteras dans le Discord et on te mettra en avant. Y a pas de problème, chérie. Skeru Loulou. Eh les gars, vous avez des pseudos de ouf, hein. Il retourne un peu la tête, là. Dapinouné, Trud, Disasty. Et puis ce que vous racontez, les gars, j'espère que vous comprenez, hein, parce que... Oula, ouais, fais gaffe, monsieur, tu fais du Joe, hein. Hein, personne n'arrive à le dire. Ouais, non, mais sérieux, Théma, ce qui est Ruloulou, il y a un concept derrière, c'est un délire ton pseudo. Allez, essaie de te copain avec tout le monde. Ok, bon, je vois qu'on se tire dessus déjà dans le chat, c'est pas mal. Voilà, donc Terada qui fait des vidéos découplées avec son vaisseau. Ce qu'on a trouvé, je sais pas si ça vous intéressait. Enfin, moi, je suis pas très fan à la base de jeux de cartes, de rôles, etc. Je sais pas si vous connaissez l'onglet Spotlight sur le site RSI directement. Si vous voulez, on va dire c'est une sorte de YouTube, mais où on met en avant les meilleures vidéos YouTube, les meilleurs contenus. Et là, je suis tombé sur quelque chose d'assez exceptionnel qui me donne très envie. C'est un gars, un Allemand, qui a sorti un jeu de cartes. Donc, il a travaillé, je crois, 2 ans dessus. J'ai trouvé ça exceptionnel. Franchement, il détaille tout. Si vous voulez aller voir le lien directement, vous pouvez aller donc vous taper sur Google Spotlight RSI. Et puis vous allez voir, il est dans les top 3 de la mise en avant des vidéos. Vous savez, vous pouvez upvote, etc. Et voilà, je vous laisse regarder le travail. C'est quand même assez propre, hein. Il a fait. Donc il a tout le règlement. Il a fait direct. Alors le jeu s'appelle Squadrons. Le jeu de cartes s'appelle Squadrons et c'est ultra propre. Voilà, il a mis tout un tas de vaisseaux. Il y a donc j'ai lu en globalité, mais ouais, il y a tout le règlement. Il faut être entre 2 et 8 joueurs. La partie dure entre 25 et 60 minutes. Et je crois que le gars a acheté le jeu en 2016, mais il est quand même assez récent. Mais il travaille dans l'univers du jeu de société, si j'ai bien compris, ou c'est sa passion, je crois. Donc il s'est dit, bah vas-y, avec mes compétences, avec mes capacités de créateur de jeu, pourquoi pas le faire sur Star Citizen. Et c'est très très propre. Ouais, donc c'est... je vous invite à aller le voir. Allez le voir sur le site Spotlight. Il a mis aussi son site en description. Où, je sais pas s'il est encore en vente. Je sais pas s'il... Je crois pas qu'ils sont encore en vente. Il est encore en développement, mais là il arrive sur la fin. Mais ouais, les cartes sont ultra... Ultra détaillé. Gaulois, il est sympa le plateau télé, on dirait les cabines du Red Dwarf. Ok, donc ça j'imagine c'est Private Joke, je peux pas tout suivre les gars, je peux pas tout suivre. Mais ouais, je vous invite vraiment à aller sur le site et aller voir donc le jeu de cartes. Voilà, je laisse peut-être la régie défiler les... On arrive à la fin, ouais. Alors pour ceux qui auraient loupé... Ce que j'ai dit en tout début d'émission, donc on a créé un Discord là, Discord J88 en grande partie pour le CTS. Donc si vous voulez spam point d'exclamation Discord, vous aurez directement donc notre Discord et proposez-nous vos screens, vos vidéos, les news que vous voulez voir dans le CTS. Voilà, n'hésitez pas les gars. Et puis bon, on va pas tarder, je pense, à recevoir les deux invités que sont donc Nephelia et Silmerias. C'est possible de tourner encore plus l'écran histoire qu'on se voit définitivement en vrai. Non, là on peut pas tourner l'écran en live. Je veux pas Discord, je veux des boobs. Ah bah écoute, non, il y a pas de boobs sur mon Discord là actuellement, mais si tu veux en poster, n'hésite pas. Je parle de Silmarillion, Penitor, Weddorf, est une série télé. D'accord, Gaulois. Ah, mais je savais pas du tout. Je connais pas du tout, donc je pouvais pas avoir. Retire ta chemise. Attends, attends, c'est que le début de l'émission là, à 21h23. Je peux pas faire ça de suite. On aura des boobs. À poil. Non, pas de suite, les gars. Pas de suite. Je peux pas faire ça pour vous de suite là. Je peux pas. Ah mais je vois que la soirée va être sous le signe de la classe et de la bienveillance. Bienveillance, je sais pas, de la classe, oui. Faut chauffer l'audience, faites chauffer les gars. Les gars, je vous entends pas. Tomber la chemise. Est-ce que la régie peut mettre tomber la chemise en cours d'émission? On verra avec lui, hein. Mais je pense pas que je vais tomber la chemise. Peut-être la veste si vous voulez, mais... Bon, voilà.
Mais ouais, j'ai pas les boobs. C'est pas les boobs que vous voulez voir, hein. Pour chauffer boobies, pas de chemise. À poil. Ouais. Tomber la chemise, les gars. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que tu fais 1m90 pour 90 kg? Non, je fais 1m80 pour 70 kg. Eh ouais. Bah oui, la régie, elle suit, les gars. Attends. On va pas tarder à recevoir les deux invités, là. Là, vous êtes en train de... Sirode, salut. Est-ce que... Putain... Hein. Ok, bah écoutez, on va recevoir les invités. Moi, je les attends, la régie. Les invités peuvent arriver. On les attend, on les attend. Bonsoir Nefelia et Silmarias, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Bonsoir. Ah, il y a peut-être un différé. Allô? Pas du tout, je t'entends parfaitement. Non, Ça va très nickel. bien et toi-même? Bah très bien, très bien, très heureux de vous accueillir sur le plateau du Citizen Talk Show. Et je vois que le chat est chaud, j'imagine que c'est votre équipe qui vient vous supporter là ce soir. Pas que, je pense. Pas Pas que. que. Ok, d'accord. On doit avoir aussi nos fidèles admirateurs, je pense. Il y a grande D'accord, ok. chance. Le modo, si tu peux faire quelque chose de temps en temps quand même, parce que je vois des trucs pas très cool. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que la régie s'est bien occupée de vous. Et puis, si vous voulez bien, on va commencer par vous présenter tout simplement. Et puis, peut-être on va faire honneur aux dames, si tu veux bien, Silmarias. Donc, on va commencer Absolument. par Nefelia. Et je te laisse te présenter, voilà, qui tu es donc dans la corporation Frogswarm. Je suis Nefelia, je suis diplomate depuis un mois, je suis la dernière arrivée dans l'équipe. L'équipe qui est déjà composée de Fenririus et Mormaz. Et je m'occupe de la communication et des relations diplomatiques externes. D'accord. Ensuite, Silmarias, je te laisse te présenter. Ah, attention, ah, je te coupe, excuse-moi, mais je crois que Matoff vient de déclencher l'alerte de sécurité du vaisseau. Attention. Merci Matoff d'avoir sécurisé le vaisseau, parce que là ce soir c'est très chaud, les invités sont très chauds. Donc grand grand merci à toi Matoff, je te remercie. Excuse-moi Silmarias de t'avoir coupé, on va te laisser te présenter, excuse-nous. Pas de soucis, tu seras brûlé sur la place du bûcher. Ou pas. Ah, il y a eu du feu derrière, hein, donc t'inquiète. Oui, je sais, je sais. Alors, du coup, je suis donc Silmarias, le fondateur de Frogswarm, Ouais. aussi appelé Sil Jong-un, d'Azilmerias, le Oula, ok. Mitanni français, ou le glorieux leader au sein de Frogswarm. Donc D'accord. Voilà, c'est non. On est dans un monde où du jeu vidéo, du moins, où ma réputation précède. Je dois bien être responsable d'à peu près tous les maux de la Terre entre haine et cancer sur le jeu vidéo. D'accord, ok. Bon, les gars, je crois qu'on aura compris que ce soir on reçoit une corporation assez particulière. Ça va être cool. On va pouvoir rentrer dans les détails, apprendre à connaître les deux personnes qu'on a ce soir sur le live. Et je pense que ça va être sympa. Je vois le chat qui est ultra chaud. J'ai vu Monte Cristo qui est passé par là. Je te fais un coucou. Je peux pas trop dire bonsoir à tout le monde. On va se focus vraiment sur les deux invités ce soir, les gars. Nefelia, c'est compliqué parce que j'ai peur de me tromper dans ton pseudo. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ton pseudo? Oh, donc Néphélia, ça vient de Néphélé, qui est la nymphe des nuages dans la mythologie grecque. D'accord, ok. Donc c'est assez, assez recherché, quoi. Ça matche bien ma personnalité. Ok, d'accord. Et toi, Silmarias, d'où vient ton pseudo? C'est un pseudo inventé en fait à l'époque où j'ai créé un serveur de jeu qui s'appelait Ragnarok Online, et Silmarias était un personnage en fait qu'on avait créé de toute pièce en fait pour une histoire narrative en fait, D'accord. et dont j'incarnais le personnage. Du coup, voilà, j'ai gardé ça à travers les âges pour jouer ensuite. D'accord, ok. Et donc toi, ton rôle dans la Frogswarm, c'est donc tu es représentant, explique-nous. Alors, représentant, ouais. Alors, du coup, en fait, je fais partie en fait des trois Illuminati. Frogswarm, mais est Ouais. dirigé en fait collégialement par avec un directoire
dont les officiers enferment, pardon, dont les officiers forment en fait tout simplement. Et mon rôle, moi, en tant qu'Illuminati, c'est juste de m'assurer que notre corporation va dans la bonne direction, que notre communauté fonctionne correctement, enfin, dans les décisions, dans les grandes lignes, quoi, et d'accord. On a besoin de trancher s'il le faut. D'accord. Oui, on va de toute façon, on va revenir sur le côté Illuminati, tout ça, pour que les personnes du chat comprennent et les viewers comprennent. On va aller sur vos spectrums plus tard et puis détailler peut-être un peu plus de voilà ce contexte-là. Comment avez-vous connu le jeu Bah, Néphélia en premier. Ce soir, ça va être ça toute la soirée, je crois. Mais par galanterie, on va commencer par toi. Via mon ancien coloc de Lyon en 2013. Et il m'a juste parlé du jeu et ça m'a intéressé, j'ai backé. D'accord, donc tu l'as backé en 2013? Exactement. Ah ouais, là c'est une vieille vieille joueuse, les gars, hein. Ça rigole pas là. Et toi, Silmarias, comment tu as connu le jeu? Alors nous, de notre côté, on a connu le jeu en 2012, on a attendu D'accord. un petit peu avant de backer, mais globalement, Frogswarm, au complet, a quasiment backé en 2013. D'accord, ok. Ah oui, toute l'équipe, tous tes membres, on va dire, a backé en 2012-2013 alors. Tout à fait, oui. Alors pour la petite histoire, on doit être une des premières organisations à avoir posté un thread de recrutement, ou de présentation du moins, pour la partie Star Citizen, il y a très très longtemps, en 2013 du coup, sur Jol même. Ouais. Ou alors que personne connaissait vraiment encore, sauf les personnes qui étaient vraiment très intéressées à Chris Roberts et son parcours, quoi, hein, c'est-à-dire de niche. Mais ouais, ça a été assez, c'était il y a très longtemps du coup, déjà maintenant. D'accord, ok, donc est-ce que par là on pourrait dire que vous serez peut-être, je sais pas, l'une des premières corporations sur Star Citizen finalement? Comment ça? C'est super vague ce que tu entends dire. Est-ce que parce que ta corporation, vous l'avez fondée en quelle année? On l'a fondée, alors pour Star Citizen, ouais, on l'a fondée en 2013. D'accord, ok. Mais tu me dis que tous tes membres ont acheté le jeu donc en 2012-2013 finalement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, attention, on n'a pas été créé sur Star Citizen, on existait ouais. avant. D'accord, ok. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler donc ce qui s'est passé avant Star Citizen, ta corpo, ton équipe, ton Discord, etc. Alors, ça a commencé, pour être précis, il y a très longtemps, c'est-à-dire en 2005. C'était à l'époque où mon groupe, qui n'était pas encore connu sous le nom de Frogswarm, puisque du coup on était un autre groupe à cette époque-là qui s'appelait Tocity Federation, on était la plus grande alliance franco sur... J'en étais l'alliance leader, et en 2010 on a arrêté, je vais passer sur TCF parce que j'en avais déjà parlé lors d'une interview. C'est une très grande histoire où on a fait effectivement beaucoup 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 de choses. Avec bien évidemment notre lot de personnes qui vont nous aimer et notre lot de personnes qui vont nous haïr. Ouais. Voilà. Et ça perdure malgré les jeux, malgré l'histoire. Ouais. Et du coup, ensuite, j'ai formé tout simplement. Enfin, j'ai voulu jouer un petit peu à autre chose en fait, parce que je t'avoue que TCF me prenait énormément. J'avais envie de retrouver effectivement un côté jeu dans lequel je m'investissais moins, on va dire. D'accord. Dans lequel je pouvais vraiment jouer et j'avais décidé d'aller jouer à World of Tanks parce qu'à l'époque Boone y jouait et puis que ça m'intéressait aussi, etc. Et là-dessus, en fait, des gens ont reconnu mon pseudo puisque j'utilise toujours le même pseudo dans les jeux et on dit putain, Sylvain, c'est SF, ouais, bah oui, bon putain, on pourrait jouer avec toi, machin, etc. Puis ça a commencé avec un TeamSpeak et puis c'est passé avec un forum et puis on a créé l'organisation et puis voilà. Et ça, c'était en 2010. D'accord, ok. Je remercie pour le don de 1 euro, merci beaucoup. Et je crois qu'il y avait une question, si on peut me la reposter dans le chat pour Néphélia. Je l'ai loupé, excusez-moi. D'accord. Est-ce que tu peux, enfin, que ce soit Néphélia ou Silmarias, hein, je vous laisse la parole à la personne qui veut répondre. Est-ce que tu peux donc peut-être nous expliquer la raison du nom de ta corporation, donc Frogswarm, pour que voilà qu'on ait un visu là-dessus. Alors tu veux que je m'en occupe, Néphélia, je suppose. Occupe-t'en. Ouais. Alors Frogswarm, c'est un clin d'œil à Goonswarm. Goonswarm, c'est toujours nos alliés, mais c'était nos alliés sur EVE. Ouais. À l'époque, on s'appelait Tocity Federation. Quand on a quitté
Eve Online, Goon Swarm se sont renommés Goon Swarm Fédération. D'accord. Et donc, en hommage à ça, on s'est nommé nous-mêmes Frog Swarm, tout simplement. D'accord, ok. Mais je crois Frog que... pourquoi ? Ouais, pardon, vas-y. Non, parce que j'allais dire, je crois que t'as tout détaillé sur ton Spectrum, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être, je oui, parce que c'est possible. Ok, d'accord. Vas-y, honnêtement, il y a des pages qui datent d'il y a très longtemps, donc ouais. Je sais pas si effectivement on a détaillé ça ou pas. Enfin, je crois avoir vu ça, ouais. C'est possible. Mais donc Frog, parce que du coup, dans le monde de Eve, en l'occurrence, les Francos sont souvent appelés les Frogs, en fait. C'était la ouais. C'était ouais. C'était de la self-mockery, en fait. D'accord, ok. La régie, est-ce que tu peux peut-être nous mettre le plan sur le Spectrum, et puis continuer à discuter tous ensemble. Tu disais que... Combien il y a de membres actuellement dans la corporation donc Star Citizen? Je sais pas, faudra regarder. Tu sais pas du tout. 124. Combien? Il y en a 124 sur le référencé. D'accord, ok. Et la tranche d'âge de votre corpo? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, d'accord. Ouais, donc oui, là on voit votre Spectrum. Je crois que j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Et j'ai vu qu'il y avait voilà toute une explication sur l'histoire de votre corpo, sur le nom, etc. Et bah, j'avais trouvé le Spectrum plutôt bien fait, quoi. Donc il y a Gaulois qui nous dit « Interdit au moins de 30 ans ». Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes fixé un nombre maximum de membres, de recrutement, ou pas spécialement Absolument pas, non. Plus on aura de monde, et mieux ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'organigramme et peut-être revenir sur ce système d'Illuminati pour qu'on puisse comprendre un peu mieux Alors attends, Code Master, merci pour le don d'un euro, Code Master, j'avais dit Nephalia, tu as un vaisseau gratuit depuis que t'es chez les Frogs. Ok. Si seulement. Et non, je suis au même statut que n'importe quelle autre personne qui arrive chez Frog. D'accord, ok. Et Ouais, donc je voulais qu'on parle un peu de l'organigramme de votre corpo, que tu puisses peut-être un peu mieux détailler le système d'Illuminati, même, enfin, tu nous en as un peu parlé, mais si tu le veux bien, je te laisse la parole. Rentrer un peu plus en détail, oui. Ouais, je veux bien. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que on a des officiers, les officiers sont en charge de plusieurs choses, hein. On a divers groupes, en l'occurrence on a des recruteurs, on a des diplos, on va avoir des gens qui vont s'occuper de la gîte propre, on va avoir des gens qui vont s'occuper de la partie DevOps, y a pas mal de choses. Globalement, tous ces gens en fait forment le leadership. D'accord. Le leadership sur lequel on va pouvoir discuter, débattre de nos idées, vers où on va, ce qu'on fait, est-ce qu'on s'oriente sur telle ou telle ou telle chose. Ouais. Et ensuite, en fait, au niveau Illuminati, on décide si réellement on part dans une direction ou pas. Voilà. D'accord. Qu'on va faire quelque chose. Vous faites une sorte de table ronde avec l'ensemble des membres, et puis au final, c'est les trois Illuminati qui prennent la décision ultime, quoi, si on peut dire ça comme ça. Tout à fait, oui. En fait, on n'est pas du tout une démocratie, hein, soyons clairs. On est clairement dans une dictature, mais une dictature éclairée. Parce que du coup, on a la ferme conviction qu'aucune démocratie ou n'importe quel autre type d'organisation en fait, n'a jamais fonctionné dans un jeu vidéo. Ça, c'est une preuve à la pluie. D'accord. On en est plus. Ouais, j'ai vu ça que sur le Spectrum, il y avait marqué par la force de l'expérience, on peut pas jouer en démocratie et voilà, vous imposez vos règles, etc., etc. quoi. Donc finalement, c'est sur des jeux passés que vous allez mettre en place votre vision dans Star Citizen finalement, quoi. Tout à fait. On a toujours eu cette façon de fonctionner, quel que soit le jeu dans lequel on a été. Ouais. On a fait exactement la même chose dans un jeu qui s'appelle Star Conflict, qu'on a quitté parce que malheureusement le PVP n'était plus permis. Ouais. Mais c'était exactement effectivement la même façon. D'accord, ok. Je vois Dapipounet qui demande pourquoi il y a une planche par terre. Ben ça, c'est le grand mystère. Donc c'est aux viewers de trouver pourquoi il y a une planche par terre. Et vous recevrez peut-être un abonnement offert par le modérateur. Donc n'hésitez pas à envoyer... vos suggestions pour le vaisseau en bois. Ouais, exactement. Un abo, ouais, un sub, Dapi Poulet. Dapi Nounet, pardon. Excuse-moi.
Tu oublies de préciser que c'est nous qui avons cassé le PVP de Star Conflict. Il y a Gaulois qui me dit ça, Silmerias. Alors oui, c'est pas tout à fait faux. Ok, vas-y, explique-nous. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait faux ? Il y a une bonne raison. C'est parce que du coup, on est habitué à faire du roaming. Donc j'imagine que tu sais ce que c'est un roaming. Non, pas du tout. D'accord. Donc du coup, le roaming, c'est de se regrouper et ensuite de voyager en fait dans l'open space ou l'open world, c'est un open world, pour trouver de la target et puis tirer dessus et puis faire un combat, voire trouver une autre corporation qui fait la même chose et engager du combat. En fait, ça sert à faire du contenu PvP. D'accord. Ok. Donc on faisait énormément ça en fait dans Star Conflict parce que la plupart des systèmes étaient PvP. Il y avait un peu comme dans Eve, il y avait une zone en fait sur laquelle c'était totalement sécure. Et puis tu avais une zone qui était un peu moins sécure, ouais. Voire même vraiment beaucoup moins sécure, dans laquelle effectivement tu pouvais te faire. Donc on avait l'habitude de faire ça, ouais. Tous les soirs. Donc on partait à X, et puis on allait entre parenthèses s'amuser et puis défourailler tout ce qu'on trouvait sur le passage. Donc le roaming, c'est ça, et on a fini malheureusement parce que du coup il y avait énormément de plaintes de joueurs qui étaient qui étaient rageux, je pense, et qui n'aimaient pas simplement se faire détruire, qui se sont plaints envers les devs pour leur dire voilà, ah oui, carrément, on se fait attaquer, machin, ah etc. Ouais, ok, d'accord. Donc ça a été assez loin vis-à-vis du dev. Excellent. Et en fait ils ont fini par fermer l'intégralité des zones PVP dans Star Conflict à cause Mais de nous non. Parce que du coup il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient et c'était une catastrophe. Alors pour la petite part fun, c'est on l'a su en allant sur le forum russe en fait officiel de ce jeu, sur lequel on a trouvé un thread à notre nom où il y avait des centaines de reports où les mecs pleuraient, disaient voilà, etc. Voilà, d'accord. C'était assez rigolo. Oh, vous avez cassé le jeu, quoi. Vous avez cassé le PVP du jeu. Alors, ce qui est triste, c'est que c'était très bien comme ça, et que entre parenthèses, c'est un gameplay qui est offert, donc on n'a pas forcément compris le pourquoi est-ce que les devs ont fini par retirer le PVP du jeu, mais en tout cas, c'est effectivement de notre faute, et c'est triste parce qu'on aimait bien, et on avait même créé ce qu'on appelle une killboard en fait. Qu'on a créé nous-mêmes parce qu'elle n'existe pas dans le jeu, ouais. Pour pouvoir savoir qui on avait pété ce soir-là, qui était dessus, etc., etc. On a fait des trucs pas trop mal. D'accord, ok, bah ça passe. Ouais. Cette killboard existe encore, même si on l'utilise plus, mais si Nefelial peut mettre le lien dans le chat, hein, ça pourrait donner une idée de ce qu'on est capable de faire, parce que du coup, on dev, on se débrouille. Vas-y, je veux bien, et puis si on peut le passer en direct par la suite. Bah écoute, pas mal, ça promet pour Star Citizen, cette histoire, quoi. Il y a Monte Cristo qui nous pose une question. Pourquoi la plupart des membres des Frog Swarm ont le statut Redacted? Donc ça, je pense que tu parles, Monte Cristo, au niveau du Spectrum, etc., au niveau de tous les membres de la Frog Swarm, pardon. Alors, la raison est très simple. La raison sur le fait d'avoir tous nos membres en tant que Redacted, c'est simplement parce que personne n'a listé nos membres. On part du principe où, normalement, une corporation ne devrait pas avoir de membres d'affiché. C'est-à-dire comme dans Eve, comme dans tous les jeux d'ailleurs. Pour nous, il n'est pas normal et très insécure d'avoir une liste disponible de nos membres sur le jeu. Ça pourrait être facilement utilisable pour quelqu'un qui a envie de repérer des gens de chez nous, etc. etc. Et comme nous, on va être d'une orientation forcément PVP, même si oui, on fera de l'industrie, on fera des choses parce qu'on ne peut pas faire de PVP sans industrie, il est quand même beaucoup plus sécurisant pour nous de ne pas avoir une liste de nos membres quelque part. D'accord. Parce que les gens pourraient effectivement faire quelque chose vis-à-vis de ça. Et donc le data mining, c'est non, pas avec nous. D'accord, ok, ouais, bah c'est pas bête finalement. Tu vois, Monte Cristo, ça a une logique d'avoir son équipe en Redacted finalement. Est-ce que vous avez un règlement de la corporation? Est-ce que tu as un règlement à la fois pour peut-être y rentrer et pour y jouer, tout simplement? Alors, il y a les deux, oui. On a notre ancienne Frogball qui est d'ailleurs en cours de réécriture, mais qui est déjà bien complète, qui peut se trouver sur le wiki. Ouais. Ça, je ah oui, je voulais qu'on voit ça ensemble, excuse-moi. Bah écoutez, le chat, vous pouvez spammer point d'exclamation info, vous aurez toutes les infos de Frogswarm. Et la régie, si tu peux nous mettre le wiki, on en a parlé tout à l'heure, parce que j'avais pas trop
pas trop bien compris, si tu peux nous l'expliquer, Silmarias, ou même Néphélia, hein, si tu as les connaissances là-dessus, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de problème. Mais pas de souci, mais pour toute la partie technique, je préfère le laisser parler, vu que c'est lui qui a mis tous les outils en place. Il sera plus pertinent que moi pour avoir les réponses les plus précises. Pas de souci, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas. Alors attends, la régie est en train de nous mettre le wiki, tu vas nous expliquer ça, Silmarias, ça va arriver. Info, ah, pourquoi il marche pas l'info? Bon, ça a pas fonctionné ce que j'ai fait tout à l'heure avec le chatbot. Mais on va laisser Silmaria s'expliquer. Voilà cette page wiki. Je te laisse expliquer. Alors cette page wiki. En fait c'est notre page de comment ça s'appelle de point d'entrée en fait pour rejoindre la corporation. C'est-à-dire que ça sert à rien d'apply direct sur RSI, ça sert à rien d'essayer de nous contacter par Discord pour qu'on vous donne des droits ou ce genre de choses-là. En fait, on passe par un processus de recrutement. Ouais. Si ça peut paraître un peu lourd, parce que oui, il faut passer par un wiki, il faut lire. Oui, je suis désolé, chez nous, il faut lire. D'accord. C'est effectivement... Ça peut être un peu un premier filtre en fait pour nous, parce que du coup on a besoin effectivement de gens qui sachent s'informer en fait et qui sachent être autonomes. Et le fait de savoir lire un wiki et de se débrouiller avec ça, c'est déjà une marque de comment ça s'appelle de potentielle appartenance, on va dire. Ça peut être décideur. Si quelqu'un est capable de se débrouiller pour arriver sur notre Discord, s'être authentifié, parce que du coup on a une authentification, plus effectivement on a l'intégralité, en fait tout est décrit ici, hein, sur à quoi, comment il peut rentrer, à quoi il peut s'attendre, ce qu'il doit faire, ne doit pas faire, etc. etc. D'accord, donc en fait, est-ce qu'on peut dire que tu fais un tri sélectif avec finalement ta page wiki et tout le processus pour rentrer dans la corporation, quoi? En fait, c'est surtout histoire d'être clair vis-à-vis de la personne qui veut rentrer chez nous. C'est-à-dire qu'on veut clairement lui dire, voilà où tu mets les pieds, donc c'est toi qui vois. Tu peux rentrer chez nous parce qu'on est comme ça, comme ça, comme ça. On a beau être fun, s'amuser, etc. Il y a quand même un minimum de règles à respecter. Et c'est un peu le premier test d'entrée, entre parenthèses. Et si tu lis ce qui est écrit et que tout ça te va toujours, dans ces cas-là, vas-y, apply, hein, c'est tout bon. Ok, puis j'ai vu que tu l'as rédigé en mode second degré, quoi, interné, patient, et t'expliquer un peu ça avec votre humour, quoi. Attention, c'est un wiki communautaire, c'est pas moi qui ai rédigé le wiki, d'accord. C'est rédigé par la communauté. D'accord, ok. Alors, je sais pas si la régie, bon, bah, on a un problème avec tous les liens de la corporation, là. C'est dommage, ouais. Bah, si vous voulez, voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez rentrer, avoir un premier visu de la corporation, bah, rendez-vous directement sur le wiki, et puis vous verrez si ça vous intéresse, si quelqu'un dans le chat, ou Néphélia même, si je peux te demander de peut-être poster le lien directement. Ah, bah, elle l'a fait plus vite que moi, voilà, c'est impeccable, je te remercie. Et bah, n'hésitez pas à vous rendre directement. Et puis je vous laisse faire pour ce côté-là. Je voulais qu'on parle du background de ta team, un peu voilà l'historique. Est-ce qu'il y a du RP au niveau de ta corporation autour de Star Citizen? On n'est absolument pas RP du tout. D'accord. Donc En fait, on est surtout là pour profiter de ce que le Star Citizen va nous offrir en termes de gameplay. On compte bien jouer à peu près à tout ce que Star Citizen nous... Mais notre background, entre parenthèses, principal, notre volonté dans Star Citizen, c'est surtout, si on peut, en fait, en tout cas, si on nous le propose, c'est de pouvoir faire de la conquête de territoire et y habiter, l'exploiter et défendre notre maison. C'est ça l'idée. D'accord. Donc, ton ambition, enfin, votre ambition in-game, c'est... Voilà, c'est peut-être coloniser peut-être une lune, une planète, et puis instaurer vos règles, ou... Je sais pas, plutôt, je te pose des questions. Plutôt des systèmes, mais ouais. Des systèmes, ok, d'accord. Ok. il va falloir du monde pour ça. Mais bien sûr. Il va falloir du monde, il va falloir une grosse flotte aussi, j'imagine. Tout à fait, mais encore une fois, ça dépendra bien évidemment si le jeu nous le permet. Si le jeu ne nous le permet pas, on fera pas ça. Mais si effectivement il nous le permet, c'est ce qu'on fera. D'accord. Donc, vous avez plutôt une vision plutôt offensive de votre gameplay, finalement. Alors, offensif, oui et non. Un territoire, il peut être simplement conquérable sans qu'il y ait personne dessus. Hein.
On sera peut-être pas forcément obligé de batailler avec des gens, mais en tout cas, l'idée c'est surtout de se poser quelque part et d'en faire notre maison, et de l'exploiter, le défendre et tout ce qui va avec. Maintenant, oui, on peut voir ça agressivement si on a décidé que quelque part ce serait notre maison, qu'on a déjà des habitants. On va bien faire quelque chose, pas rester là comme ça en disant bah non, finalement il y a déjà quelqu'un, on va pas y aller. Donc, oui, on va forcément provoquer derrière une guerre vis-à-vis de ça si on peut. Mais bon, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de comment on dit déjà de... Je trouve plus mes mots, désolé. Bon, c'est pas grave. Mais ouais. En gros, c'est beaucoup de spéculation. Voilà, c'est chercher mon mot. C'est okay. Que pour l'instant, vu qu'on a toujours pas de gameplay vis-à-vis de ça, qu'on a toujours pas de serveur meshing, etc. Mais l'idée de vos activités est bien là, quoi, finalement. Alors, est-ce qu'on peut considérer votre équipe comme pirate, comme neutre, ou selon ce qu'il en est de la situation, comment tu peux te décrire de ce côté-là? Alors, du coup, on n'est pas du tout des pirates, on n'est pas du tout des pro-UE, strictement alignés, privé de joke. Le truc, c'est qu'on est, je sais pas comment on pourrait nous définir, c'est pas forcément évident. On peut nous définir tout simplement comme une corporation qui a envie de se poser quelque part pour profiter des ressources locales, et puis de l'exploiter, de devenir riche, puisque du coup on doit financer notre activité PVP et de guerre, de tout ce que tu veux. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais en venir, c'est qu'il va falloir être lourdement équipé là, si vous voulez tourner autour de ça, quoi. En termes de flotte, en termes d'équipement, en termes d'armes, de ressources, ça va être costaud. Si on vous rejoint, faut avoir les épaules, si je comprends bien, quoi. Alors, pas du tout. En fait, même quelqu'un qui n'a pas forcément de revenus plus que ça peut nous rejoindre, en fait, puisque l'idée, c'est d'arriver à faire, en fait, notre activité PVP, je vais y arriver, à moindre coût. C'est-à-dire, on l'a toujours fait dans les jeux vidéo. La corporation, en fait, s'occupe de générer du revenu. Ce revenu sert à équiper nos membres et à faire que nos membres, par la suite, ne perdent pas d'argent. C'est-à-dire que les membres seront aussi sur place, ils vont aussi exploiter la région pour eux, d'accord ? C'est un peu l'idée. Et derrière ça, on va avoir, lors de guerres différentes et variées, lors d'escarmouches, lors de roaming, de ce que tu veux, en fait, au sein de la corporation ou de notre alliance, on va avoir ce que l'on appelle des remboursements en cas de perte. C'est-à-dire que si, d'accord, effectivement, quelqu'un en perd son chip, on lui rembourse à la hauteur de 100%. Si évidemment ça a été perdu pour la corp avec une opération corp. Si ce n'est pas une opération corp, il ne sera bien évidemment pas remboursé. D'accord, ah oui, c'est ce que j'avais vu. C'est étonnant, mais c'est une bonne chose, je trouve. Enfin, c'est ce que j'avais vu sur le Spectrum. J'ai vu 100% remboursé tout ça. Et c'est une initiative assez. Est-ce qu'on peut dire hors du commun, ou je sais pas. Enfin. Pas du tout. Non. C'est extrêmement répandu dans Evenline, par exemple. D'accord, c'est, ok. Et effectivement, peut-être dans les organisations Star Citizen, ça n'existe peut-être pas aujourd'hui, en tout cas. Après, encore une fois, il faudra voir ce qu'on pourra faire en termes de revenus, de remboursement. Enfin, tu vois, il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Oui, qu'on n'a pas encore. Puisqu'on n'a pas, mais en tout cas, si effectivement c'est possible, c'est la direction que prend effectivement Foxworm, c'est de faire ça. C'est ce qu'on a toujours fait, en fait. D'accord. Ouais, je savais pas. Enfin, j'ai jamais joué à EVE Online et je savais pas cette technique de jeu. De voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est une bonne chose à savoir. Du coup, est-ce que on va pouvoir parler de la flotte que vous avez actuellement? Absolument pas. Je m'en doutais. Je me suis dit déjà l'équipe est redacted. On va pas savoir ce qui se trame derrière. Et je t'avoue que j'aime ça. Du coup, ça amène la curiosité en tête, là. Secret Défense. C'est exactement ça, oui, c'est Secret Défense. Tu ne verras jamais, et depuis 2013, d'ailleurs, tu n'en vois pas, de fleet chart de Frogsworm, tu ne la verras pas. Ça restera toujours en interne. D'accord. Mais au final, ok, Secret Défense, mais comment dire, dans quel sens? Enfin, pourquoi tu le caches? Est-ce que vous avez un projet ou tu veux pas du tout en parler? Je sais pas, hein, moi je te demande, hein, je suis là pour te poser les questions. C'est totalement stratégique. D'accord, ok, donc on va rester là-dessus, stratégique. Eh oui,
Ok, pas de problème, pas de souci. Y a pas de souci, Dana, mais attends, t'as le droit de... on en parle de comment on voulait terroriser le Jake. Non, je suis pas terrorisé. Non, mais je lis, hein, j'essaye de lire le chat, les gars, mais j'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, de private jokes et de discussions qui ont un rapport avec vous-même. Alors, je peux pas tout suivre, les gars. Ok, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut parler de Néphélia peut-être? Est-ce que tu veux nous dire peut-être plus en profondeur ce que tu fais? Alors tu nous as dit voilà que tu étais diplomate, mais voilà vraiment tes activités. Est-ce que quelqu'un t'a nommé dans cette mission, etc. Alors quand je suis rentrée à Froxform, je suis vraiment tombée entre guillemets amoureuse avec la mentalité de la corpo et j'ai voulu m'investir plus. Donc j'ai vendu mon âme à Silmerias. Ok. Voilà, je lui ai ramené le pain et. Bah, j'ai vu dans le chat où elle me parlait du pain. Voilà, ouais. Et j'ai réussi à passer diplomate sur un temps assez record et j'en étais pas peu fière. Ouais. Et du coup, dans ma mission de tous les jours en tant que diplomate, je commence par parler de la standing board. Mmh. Alors, nos standings sont publics. Et on est pour signer un app avec absolument tous les Français qui le souhaitent. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à agresser les Français, on n'a pas vocation à, entre guillemets, lancer une guerre entre Français. Ouais. Et le but est vraiment de prendre contact avec toutes les corpos. D'accord. De okay. se présenter, de ouais. dire bon, bah, si vous voulez, on ne vous agresse pas. Donc est-ce que vous serez prêt peut-être à faire une sorte de comment on peut dire, fédération, une alliance au niveau national, est-ce qu'on peut voir les choses comme ça, ou c'est ça que tu veux dire, ou... Silmé, je te laisse répondre là-dessus. Ouais, alors, oui, effectivement, c'est-à-dire c'est que ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est réitérer ce qu'on a fait à l'époque de... on a ce projet en fait depuis 2013, hein. On avait commencé à en parler d'ailleurs à l'époque sur Jean, où justement le projet d'envergure était non pas de dire aujourd'hui on veut en tant que corporation être la meilleure ou être la plus dégueulasse ou ce que vous voulez, ou faire du PVP machin etc, peu importe ce que les gens peuvent en penser. Mm-hmm. L'idée c'était effectivement d'arriver à refaire une alliance avec la même direction qu'on avait avant en fait. Et effectivement non pas s'identifier en tant que corpo, mais en tant qu'alliance, c'est-à-dire que si effectivement on veut aller conquérir des territoires, mmh. l'idée c'est d'y aller en alliance. À savoir en fait qu'aujourd'hui même si notre envie en fait est de fédérer et ouais. d'arriver effectivement à avoir une alliance qui soit aussi forte qu'elle l'a été à l'époque de Heaven 9. Je veux dire, on a quand même fait énormément parler de nous en tant que franco sur Heaven 9, hein. Évidemment tu connais pas le jeu, mais non, malheureusement non, j'aurais bien aimé. Le retentissement existe encore aujourd'hui, si tu veux, alors qu'on est en 2019 et D'accord. que ça s'est arrêté en 2010, hein, faut voir le truc, quoi. Donc on aimerait effectivement refaire ça, sachant qu'effectivement on a toujours des leaders d'expérience au sein de Proxmar, qui étaient là à l'époque de Heaven 9. Je suis là aussi, hein, en tant qu'alliance leader de TCF à l'époque. Et il faut savoir qu'on a aussi nos alliés de toujours qui sont aussi sur Star Citizen. D'accord. Et qui nous ont invités à rejoindre en fait leur alliance aussi dès le départ. Ok. Alors attends, je te coupe une petite seconde. Est-ce que la régie, tu peux baisser un poil la musique pour qu'on entende mieux Silmerias? Et je veux bien que tu nous parles. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les corporations qui sont alliées avec vous? Alors, en gros, l'alliance qu'on a aujourd'hui s'appelle la TCAP, Trade Coalition for the Allied. Cette alliance regroupe trois corporations, qui est donc principalement deux corporations de Goon, qui étaient donc nos alliés dans EVE, qui sont Starfleet Dental et FLGK, mm-hmm. Goon Rati pour être exact, et nous. D'accord, mais alors... En fait, tu as gardé l'alliance que tu avais dans le précédent jeu, mais est-ce que tu as pu trouver une nouvelle alliance avec les corporations actuelles de Star Citizen? Non, pour l'instant, en fait, on n'a pas encore lancé le truc. C'est-à-dire que ça reste de l'idée, ça reste quelque chose qu'on voudrait faire dans le futur, mais comme dans tout jeu qui débute, il faut laisser le début. Il faut laisser les choses se faire. C'est-à-dire que grosso modo, on n'est pas approché les corporations pour leur dire venez avec nous, etc., etc. La seule chose qu'on leur dit, c'est que quand le jeu commencera à prendre un petit peu plus d'ampleur, quand on aura peut-être ouais. un peu plus de,
de choses, hein, tout simplement, et qu'on verra peut-être effectivement que la géopolitique, finalement, commence à rentrer dans le jeu, tout ça, tout ça, tout ça. De leur dire, on reste en contact, on reste pas loin les uns des autres, et puis si vous êtes intéressé par ce qu'on va faire, bah, vous pouvez nous rejoindre, tout simplement. C'est-à-dire que pour l'instant, on a pas officiellement d'alliance, franco, en tout cas, pour le moment. Ok. Par contre, on a une alliance existante avec nos anciens amis Goon, en fait, de Eve, qui évidemment, on va forcément faire des choses ensemble, quoi. D'accord, ok. Bah, c'est plutôt intéressant de savoir que, pourquoi pas, peut-être un jour, on peut compter sur votre alliance et faire du commerce inter-orga aussi, Monte Cristo. Ouais, enfin, après, quand tu parles d'alliance, c'est pas forcément. Est-ce que c'est forcément que côté voilà offensif militaire ou ça englobe du gameplay autre? Alors attention, une alliance, c'est un groupe comme une corporation, en fait. C'est juste un groupement de corporations, mais qui s'identifie à l'alliance et plus à eux-mêmes. D'accord? C'est ça une alliance. Donc l'alliance, ça veut dire c'est un groupe qui va aller vivre au même endroit, hein, qui va bouger ensemble en un seul bloc. Et effectivement, après, entre parenthèses, chaque personne fait toujours sa vie, je veux dire, de manière journalière, mais quand il y a des appels à la guerre ou quand il y a des choses comme ça, ce qu'on appelle les CTA, ou quand on demande du roaming, ce genre de choses, c'est au niveau alliance, c'est plus au niveau corpo que ça gère, en fait. C'est, d'accord. Il faut le voir comme un groupe unique de regroupement de corporations. D'accord. Qui s'identifie à un nom. Voilà. Alors, en revanche, on a aussi, nous, en fait, ce qu'on appelle des packs de non-agression, qui nous permet effectivement de, tout simplement, de créer des liens diplomatiques pour pouvoir commercer, pour pouvoir s'échanger, etc., etc. D'accord. Et on a une autre partie qui est la et là, je suis désolé, j'empiète un peu sur ton territoire, Nafelia. Il y a la partie en fait friendly sur lequel effectivement là on n'est pas en alliance, mais on est amis. Et en tant qu'amis, en fait, on peut aller les aider s'ils en ont besoin, et on peut leur demander de l'aide si on en a besoin, etc. etc. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir. Je remercie pour le don de 1 euro. Il y avait une question pour Nefelia. Je ne sais pas si tu as eu le temps de la lire, Nefelia. J'ai tout à fait eu le temps de lire la question de ce gentil dapper. Donc, il faut savoir que si là, je ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de la partie historique. Ouais. Je ne suis frog que depuis cette année. Tout ce qui s'est passé avant, j'ai une connaissance assez, je vais pas dire limitée parce que je me suis beaucoup renseignée, mais je ne peux pas être aussi pertinente que quelqu'un qui a tout vécu. Par exemple, si on parle, on va sûrement parler des services après, je peux très bien parler des services qui sont liés pour la communauté, etc., qui sont sur le côté fun, puisque c'est là-dessus que j'ai le plus on va en parler, hein. De parties. Par contre, sur la partie brute, tout ce qui va être SSO, les paplinks, etc., Sylmeria sera plus pertinent que moi. Donc oui, là, il a un petit peu débordé sur mon taf de diplo. Après... Coupable. C'est lui qui l'utilise. Ah ok, pas de problème. Je voulais parler du sens d'union en fait. Ouais, bah ok, ouais, d'accord. Bah je crois que t'as bien détaillé. Enfin, je pense que tout le monde a plus ou moins compris Sylmeria quand tu voulais parler d'alliance, etc. Donc il y a aucun problème là-dessus. Pour revenir vraiment à l'activité, in-game de votre corpo, vous jouez souvent à Star Citizen. Enfin, quel est votre temps de jeu? Actuellement, au niveau d'une semaine, d'un mois par exemple ou... Zéro. Ah d'accord, soyons clairs, ouais. Soyons clairs, on n'y joue pas du tout en fait. Pour nous, le jeu n'est pas abouti. Si tu veux. Mm-hmm. Enfin, on y joue de temps en temps, surtout en mode découverte. Ouais. Parce que du coup, oui, on va aller voir quels sont les derniers ajouts, on va regarder un petit peu le nouveau flight model, on va regarder un petit peu comment ça se passe avec les planètes, on va visiter un peu tout ça, tout ça. On se fait des petites sorties en fait de temps en temps, mais c'est extrêmement rare en fait, parce que du coup, on veut pas y jouer parce qu'on veut pas se dégoûter d'un jeu qui est encore en alpha, qui est ultra buggé, qui ne va pas fonctionner, sur lequel c'est super difficile de se rejoindre. On a déjà essayé une paire de fois, c'est compliqué quand on veut faire rejoindre tant de personnes. Donc t'imagines si on devait faire rejoindre 90, c'est juste impossible. Ouais. Donc du coup, si tu veux, faut pas oublier qu'on attend le jeu depuis 2013 quand même. Hein. Donc du coup, Ah oui, ça fait longtemps. Hein.
voilà, on a acquis une certaine, patience par rapport à ça, tout à fait. Et donc, du coup, oui, on se tient au courant, on va jouer de temps en temps pour voir ce que ça donne, mais on n'y joue pas de manière journalière, en fait, sauf 2-3 personnes qui vont, pendant une semaine, découvrir un peu le dernier patch, parce qu'il y a eu quelques ajouts, mais ça va s'arrêter là, on va pas jouer plus que ça. En fait, on attend réellement plusieurs choses pour pouvoir vraiment y jouer de manière permanente. Un, le serveur meshing, parce que sans serveur meshing, ça va pas être possible. Ouais. Deux, la persistance. Ouais. Et trois, de pouvoir se rejoindre en groupe. Parce que là, c'est trop la merde. Ouais, c'est un peu compliqué. Bah, d'ailleurs, on a vu, ils en parlaient dans la vidéo que j'ai présentée en première partie. Ouais, ils parlaient de la persistance et comment c'était compliqué de mettre plusieurs serveurs. Enfin, c'est tout un bordel. Hein. C'est quelque chose. Hein. Ils travaillent d'arrache-pied dessus, c'est ce qu'ils disaient. Mais c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc qui va arriver du jour au lendemain, quoi. Donc, alors peut-être pas, parce que récemment il y avait une interview de Sean Tracy qui expliquait, comme je suis un peu dans la technique aussi, je comprends très bien de quoi il parle, qui expliquait qu'aujourd'hui avec la taille de Star Citizen, tout ce que ça gère, etc., en fait ils vont avoir besoin du serveur meshing très rapidement, ne serait-ce que pour développer. Ils ne peuvent plus, quasi plus, faire tourner Star Citizen au complet avec le serveur, en fait, sur leur machine de dev pour leur test. Et ça va commencer à être problématique. Donc, du coup, il disait que oui, ce sera peut-être pas pour demain, mais ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Ben, on l'espère. Ben, déjà, avec l'OCS, ça a grandement amélioré les performances. Et puis, en fait, voilà, c'est comme on a cru comprendre dans la vidéo, c'est vraiment si tous ces côtés serveur, etc., sont réglés. Forcément, ça va aller beaucoup plus vite, on va avoir beaucoup plus de contenu, de gameplay, etc. Quoi. C'est vraiment lié à ça, quoi, de ce qu'on a pu comprendre, quoi, finalement. Donc actuellement, voilà, si on rejoint votre corporation via le wiki et ensuite Discord, vous ne pouvez pas promettre aux futurs joueurs qui seraient intéressés par vous rejoindre d'y jouer tous les jours. Quoi. Ça, c'est clair et net, faut bien le comprendre comme ça. Ah oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, on le dit, hein, quand quelqu'un postule, on leur dit attention, tu as bien conscience que nous ne jouons pas à Star Citizen à l'heure actuelle. On y jouera quand il faudra, mais pour l'instant, on ne voit pas du tout l'intérêt de jouer. Parce que du coup, pour nous, ça n'a pas d'intérêt de jouer à l'heure actuelle. Notre but dans un jeu vidéo, c'est pas juste de se connecter à 3 pélos pour aller sur un serveur. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je comprends. Chacun a sa vision du jeu, etc. Mais. Oui. Pardon. J'en profite pour répondre à deux questions de Monte Cristo au niveau diplomatique. À quoi ça sert de signer des nappes avec nous actuellement ? Alors, est-ce que tu peux... Parce que vu qu'on est en redacted... Je te coupe, est-ce que tu peux détailler le terme nappe pour que tout le monde... C'est un pacte de non-agression. D'accord. Non-aggression pacte. Voilà. Nappe. C'est ce que j'étais à dire. Oh, oui, bien sûr. Faites ceci. Du coup, vu qu'actuellement on est très peu en jeu... actuellement, signer un app ne va pas dire que si tu nous croises, tu n'as pas à nous taper. Et de toute façon, il est dur de retenir une liste de 150 joueurs de toutes les corpos. Donc c'est vraiment ciblé sur l'avenir. Est-ce que c'est dur de signer des apps avec des corporations dans cette situation? Absolument pas. Justement, rien que la semaine dernière, on a eu deux nouveaux apps. Un avec Résilience et un avec l'IUN42. Il y a toujours deux types de réponses quand je contacte des orgas. Soit c'est trop tôt, et c'est tout à fait compréhensible. Même nous ne jouons pas vraiment parce que c'est beaucoup trop tôt. Soit les gens sont très emballés. D'accord. C'est... Bah après, t'as peut-être les équipes qui sont très actives, qui sont peut-être plus emballées que les équipes qui le sont moins, peut-être, je sais pas. Il n'y a aucune règle. Ça va vraiment dépendre de la mentalité de la corpo, des objectifs des corpos, etc. Mais quoi qu'il arrive, on n'est jamais mal reçu quand on arrive sur un Discord pour se présenter et dire qu'on ne veut être pacifique, en tout cas avec les autres Français. D'accord, ok. Donc vous allez voir un peu les différentes corpos sur leur Discord. Et, donc c'est toi, ça c'est ton job finalement? De représenter la corporation et de signer des pactes avec différentes corporations. Exactement, en tant que diplomate, je représente Frogswarm, j'ai autorité sur tout ce qui se passe dans la standing board à ce niveau-là. Et il y a j'écorche ton prénom, ton pseudo. Quel est le but de cette interview?
En tout cas, de mon côté, il y a eu un gentil Jack qui m'a envoyé un petit MP. Est-ce que y a quelqu'un... on a besoin de quelqu'un pour une interview dans 3 jours? On n'avait aucune raison de refuser. Enfin, à part si tu envoies une, Silmarillion, mais... Bah, après, le... Oui, bah, juste, j'ai une phrase. Après, le but de l'interview, c'est pas forcément de recruter ou quoi. Chaque corporation est différente. C'est aussi, voilà, de parler du projet, de parler de leur corporation. Très bonne surprise, voilà, d'apprendre que cette corpo veut des alliances, qu'elle a une diplomate. Voilà, c'est vraiment pour découvrir et mettre peut-être, voilà, en haut du panier des équipes... des corpos qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a peut-être pas connaissance. Moi, je les connaissais pas, par exemple. Donc voilà à quoi peut servir cette corpo. Pardon, excuse-moi, je vous ai coupé. Ouais, Néphélia, comment on peut signer une nappe avec une corpo dont on ne connaît pas les joueurs sur un jeu qui n'existe pas quand on est une guilde PVP? Alors, il y a Ben Tuco qui est peut-être un peu réticent et qui a peut-être peur, voilà, d'un côté que voilà, vous êtes un peu secret défense. Et forcément, est-ce qu'il y a des corpos qui vont être réticentes par rapport à ça? Alors, il y a des corpos qui... Enfin, les corpos sont jamais réticentes par rapport au fait où, chez nous, c'est très sécurisé. Silmarillion s'en parlera beaucoup mieux que moi du côté sécurisé de la chose chez nous. Mais quoi qu'il arrive, ce que je précise bien à chaque fois, c'est que... les deux corpos montrent leur volonté d'être pacifique, en tout cas de ne pas s'agresser entre elles. Et c'est positif pour les deux corpos. Ça montre une volonté à suivre pour les Français. Idéalement, si les Français s'unissent, nous, on en sera bien contents. Ouais. Mais donc c'est après... pour ça que les gens signent des nappes. Voilà, après, c'est surtout de la confiance, c'est la confiance qui doit régner. Après, si tu fais pas confiance, tu fais pas confiance, ça fait partie de l'histoire. Mais voilà, comme tu dis, si tu signes une nappe, c'est pour que ça se passe bien, finalement, quoi. Si je peux me permettre, en fait, on signe un nappe, en fait, c'est surtout pour une question de non-agression. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à taper sur des francophones, de manière générale. C'est ce qu'on souhaite, c'est pas se faire des ennemis dans la francophonie. Je veux dire, on aura suffisamment à faire avec des intérêts. Le truc, signer un nappe, ça représente simplement l'officialisation du « vous êtes dans notre standing board ». Donc à partir de là, on sait que vous êtes nos... En fait, de chaque côté, on a cette ambition de ne pas s'attaquer, donc à partir de là, on ne s'attaque pas. Sachant que nous, par défaut, si quelqu'un n'est pas en pacte de non-agression, il est neutre ou hostile ou autre chose, évidemment, on passera à l'attaque, de toute façon. Donc oui, le jeu aujourd'hui n'existe pas, mais Tuco, on le connaît très bien, c'est un troller des Bad Neighbor. Bonjour les Bad Neighbor, bisous. Ok, d'accord. Et oui, il a raison. Si on peut estimer que c'est trop tôt. Nous, on attend le jeu depuis une éternité. On estime que c'est encore trop tôt, mais il faut quand même à un moment donné se mettre un petit peu dans le bain et c'est le moment, je pense. C'est que même si effectivement il n'y a pas encore tout ce qu'on souhaiterait et qu'on n'y joue pas encore, ça ne nous empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec. Avec des tas de corps, comme avec les Bad Neighbor en l'occurrence. Ouais. Voilà. C'est un peu le but, c'est de s'ouvrir un peu plus. Parce que finalement, depuis 2013, on n'a pas vraiment approché qui que ce soit. On a fait une interview et on a débarqué sur un TeamSpeak qui nous a valu les foudres de plein de gens. Et puis ça s'arrête à peu près là. Quoi. D'accord, donc au final. Tu veux nous expliquer que pour l'instant il n'y a pas forcément des alliances, des corpos positifs, il y a aussi des sortes d'ennemis, on peut aller jusque là ou... enfin, pour l'instant on n'en a pas, on sait qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. D'accord. Ça, on est parfaitement au courant qu'il y a des gens qui n'aiment pas notre corpo pour plein de raisons, que ce soit de la raison personnelle, historique, parce que Eve Online, ou que ce soit simplement parce qu'ils n'ont pas forcément compris quel était notre but et que voilà. Je prendrais comme exemple en fait l'interview qu'on avait fait avec Star Pirate News, dans lequel il y a la moitié du chat qui nous insultait parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on n'était pas en train de dire qu'on allait leur taper dessus. On disait simplement que effectivement dans un jeu PVP on tire à vue sur n'importe qui. Maintenant on n'a jamais dit on va taper sur du franco, c'était pas l'idée. C'était de dire il est mieux effectivement dans le futur quand le jeu nous permettra etc
d'avoir des standings avec nous pour être sûr qu'on va pas se tirer dessus parce qu'on préfère être potes. Ouais. Mais beaucoup de gens l'ont pas compris et ont pensé qu'on allait taper sur tout le monde, ce qui n'était absolument pas le cas. D'accord. Mais est-ce que Nephalia, toi, dans ton rôle de diplomate, est-ce que ça a des répercussions un peu négatives de devoir aller signer des nappes étant donné peut-être le côté un peu sulfureux, si je peux dire, c'est un peu trop fort, mais tu m'as compris. Est-ce que c'est compliqué pour toi d'aller signer des nappes ? Je dirais pas compliqué, je dirais parfois challenging, et encore une fois, c'est pas une obligation. Mm-hmm. C'est-à-dire que si les gens veulent signer, ils signent. Si les gens veulent se dire, on garde ça pour plus tard quand le jeu sera plus proche de sa sortie, parce qu'on sait pas où on veut aller, ou on veut attendre de se connaître plus, etc. En général, je suis très bien reçue, même par les corpos, où je sais qu'elles n'ont pas forcément d'attrait pour notre gameplay, voire sont très réticentes. Personne n'a intérêt à être négatif ou agressif à l'heure actuelle. Ah oui, non, c'est sûr. Mais bon, si, après, c'est votre passé peut-être EVE Online qui... est-ce que après tous les joueurs Star Citizen ont joué à EVE Online, vous connaissent, je sais pas. Mais bon, voilà, c'était la question. Écoute, si c'est pas compliqué, tant mieux pour vous. Et moi, je pense que c'est tant mieux aussi pour l'avenir du jeu. Si tous les Français peuvent s'allier, je sais pas, hein, qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, mais ça part d'un bon sentiment, d'une bonne chose, quoi. Enfin, moi, je serais plutôt pour, tu vois. Après, c'est que mon avis, hein, c'est sûr. Pour revenir avec Silmerias, je voulais savoir si est-ce que c'est un peu trop tôt ou pas, je sais pas, parce que tu me dis que finalement vous jouez pas activement au jeu, mais peut-être que dans EVE Online vous avez peut-être pu mettre ça en place. Est-ce que vous avez des moyens de communication in-game, je sais pas, des techniques de déplacement, des ententes au sein de l'équipe, voilà, pour que tout le monde marche droit et aille dans le même chemin finalement. Alors. Oui, enfin, c'était un peu compliqué ta question pour être honnête, parce que elle est tout sauf claire et elle est très généraliste. Donc, oui, alors, ouais. je peux détailler 2-3 trucs. Donc oui, on a des moyens de communication, bien évidemment. On utilise Discord pour l'aspect IRC, on utilise notre forum pour l'aspect permanent, oui. Et on utilise Mumble pour l'aspect live. D'accord. Voilà, et tout ça... Tout ça, c'est ce qu'on demande à nos membres, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a des opérations à un moment donné, militaires, logistiques, quelle que soit la sous-organisation de Foxhound qui va s'occuper de son travail, entre parenthèses, journalier, on utilise Mumble pour ça. D'accord. Parce que du coup, la synchro vocale, il n'y a que ça de vrai. D'accord. Donc si maintenant tu me demandes comment ça se passe en opération, je peux te dire qu'il y a 200 mecs qui se taisent, et puis on entend uniquement le leader et éventuellement les scouts, et ça s'arrête là. D'accord, ouais, donc c'est très très structuré, quoi. Après, tu peux pas que ça soit le bordel complet dans le Mumble, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Non, ce ne sera jamais. C'est-à-dire que même à l'époque de EVE Online, on avait oui, facilement 250 personnes sur le channel lors d'une opération simple. Ouais. Il y a des règles, et ces règles, c'est pas de bruit. On écoute le leader, on écoute uniquement les informations importantes, et ça s'arrête là. Et effectivement, les gens sont, parce que je pense que c'est banal, et parce que du coup on s'adresse là encore à des gens qui ont souvent plus de 30 ans pour EVE, ouais. Du coup, c'est quand même assez compliqué. Le règne en fait sur le Mumble une cohésion et surtout un calme, parce que du coup ça doit être absolument calme. Si le leader n'est pas écouté, c'est une flic qui va crever, hein, de toute façon. D'accord. Mais c'est un peu, si tu veux, comme dans Star Citizen, je pense, c'est que l'implication des gens est forcément plus importante à partir du moment où tu vas forcément perdre, ou tu as un full, ce qu'on appelle le full loot en fait, où tu vas perdre ce que tu as si tu n'as pas écouté correctement. D'accord. Tu vois, c'est tout de suite punitif. Hein. Dans EVE, le mec qui se trompe de gate parce qu'il a mal écouté quand le leader disait warper sur tel gate, le mec qui warp sur la gate où il y a tous les ennemis, au bout d'une seconde, son ship il est en fumée, et puis il est ses retours station en fax. D'accord. Et là, le mec à ce moment-là, il a tout perdu. Donc il a perdu son vaisseau, il a perdu tout ce qu'il y avait dedans. Enfin, tu vois, c'est un peu le même principe. À ce moment-là, tu le rembourses pas là. Il n'y a pas de 100% remboursé là. Alors pour le coup, tu vois, on est plutôt cool. C'est que si le mec était présent, même s'il a fait une connerie, on lui pardonne. Ah, ça a coupé. Et donc on lui pardonne, et quoi, tu as dit?
on lui pardonne et on le rembourse. En fait, on a ce qu'on appelle un système de SRP, qu'on mettra en place avec SC aussi, ouais. Qui est en fait un système où le mec montre qu'il était bien là avec le paplink, on en parlera après. Derrière, il poste en fait sa loss et il est remboursé automatiquement. D'accord, ok. De ce que j'ai compris, c'est... Enfin, quand même, votre expérience sur EVE Online va vous apporter, enfin, peut vous apporter beaucoup sur Star Citizen, quoi. Elle nous apportera beaucoup, oui. D'au moins, même si c'est pas une question de jeu, plutôt en termes d'organisation, ouais, voilà. Et en termes de philosophie. Après, pour le reste, on sera comme tout le monde, on sera des noobs et on commencera le jeu voilà, avec un noob ship, et puis on apprendra, et puis on fera ce qu'on a à faire. C'est drôle que tu me parles de noob parce que imaginons un noob se présente dans votre Discord et sur le wiki et Discord ensuite avec le peu de d'activité que vous avez, il peut pas être pris en charge, il peut pas être alors vous allez l'accueillir certainement, mais vous allez pas pouvoir peut-être le former directement sur Star Citizen. On n'a pas besoin de former qui que ce soit, on formera les gens quand tu auras un... C'est la réponse encore. D'accord, ok, pas de problème. Qu'est-ce que je voulais Oui, Néphélia, tout à l'heure, tu nous as parlé de service, enfin, tout ce qui tourne autour voilà, de ton rôle dans la corporation. Je voulais que tu détailles un peu plus ce rôle de... Enfin, ces services. Je suis curieux de savoir. Je vais parler essentiellement là, des services aux membres. Je laisserai Silmeres parler des services Frogswarm. Donc, faut savoir que les personnes qui ont rejoint Frogswarm ont une email par défaut qui redirige sur leur email. Ça leur permet d'utiliser leur email Frogswarm pour toutes les utilisations qu'on peut imaginer sans donner leur email directement. On a également une web radio, même si elle est coupée en ce moment. Elle était pas mal. Ouais, ouais. On a du merchandising, donc tout ce qui va être t-shirt comme je porte, des hoodies, des stickers. Silmeria, c'est un t-shirt Frogswarm également. Alors, c'est quoi vous avez un site pour qu'on puisse voir éventuellement tout ça en live ou pas? Non, tout est en interne. D'accord, ok. Donc si on veut tout ce genre d'infos... Ah oui, c'est vraiment, faut être membre, de, comme tu disais, de la corpo pour pouvoir avoir accès au merchandising, tout ça, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Excuse-moi Néphélia, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. On a un service d'hébergement d'images, un service d'hébergement vidéo. D'accord. Pour éviter notamment tout ce qui peut être strike sur YouTube, etc. C'est assez pratique. On a un service de partage de fichiers. Et chaque membre a accès à un cloud personnel. Donc pour faire tout leur stockage personnel sur le cloud directement. Mais ce cloud, il est financé par vous? Enfin, comment ça se passe? Non, les membres n'ont rien à payer. Hein, ouais, les membres n'ont rien à payer, mais c'est effectivement financé. D'accord. Et on met en place des serveurs de jeu à la demande des joueurs. Donc jusqu'à présent, c'est du Minecraft, du Factorio, du Left 4 Dead. D'accord. Et on a ces deux petits services un peu plus fun, qui est le Bonjour Frogswarm. Vous connaissez peut-être le Bonjour Madame. Voilà, toujours appréciable pour se lever le matin. Et notre album photo. D'accord. Tout simplement. D'accord. Et alors, c'est... Comment dire? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes un peu ou juste tu représentes tous ces services? Chez nous, tout est automatisé. D'accord. Alors, Server Factorio, hein, j'en ai pas vu la couleur, Mad Company qui nous dit ça. Excuse-moi, je sais pas si c'est quelqu'un de votre team. C'est chez nous, ouais. Ok, c'est d'accord. Parce qu'il y a une petite erreur, le Factorio, il est pas encore up, c'est là. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, Néphélia, je sais pas si t'avais d'autres choses à détailler sur ça. En termes de services aux membres, non. Le reste des services, c'est les services Frogswarm. Ouais. Du coup, Silmeria, je te laisse la parole. Alors oui, donc du coup, comme le précise Néphélia, comme on existe depuis longtemps, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup de choses pour les membres de la communauté. Donc et on a énormément de services divers et variés, donc... On a un petit peu parlé qui permettent, entre parenthèses, aux joueurs d'avoir accès à des choses qui n'ont pas forcément accès de manière générale. Ouais. Il y a des choses qui sont pas mal utilisées, comme ce que disait Néphélia, par exemple. Il y a un système d'hébergement d'images en fait qui est web, qui est utilisé par nos membres parce que du coup c'est super rapide. En gros, c'est un espèce de Tumblr mais qui existait avant, quoi.
Donc, enfin, d'Imgur. C'est un espèce d'Imgur, mais qui existait avant Imgur et que nos membres ont toujours utilisé. Donc, qui est pas mal utilisé parce que du coup, c'est rapide et fiable. Donc, voilà. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses mises en place pour aider finalement votre communauté, quoi. Tout à fait. Donc, pour faire vivre. Non. Ouais. Du coup, dans cette liste-là, en fait, on a des outils communautaires. Donc, c'est effectivement ces outils dont elle a parlé. Et puis, on a des outils qui sont plus internes, en fait, à Froxamp, dans la façon de fonctionner. Si je dois les détailler, on va avoir notre système d'authentification unifié, par exemple. Ouais. Parce que du coup, quand on demande aux gens d'aller s'authentifier sur le SSO pour se créer un compte, mm-hmm. on appelle le SSO, c'est le single sign-on, en fait, de Froxamp. À partir de là, les gens n'auront plus que ces identifiants-là qu'ils ont créé en fait avec leur compte pour se connecter à notre Mumble, au forum, d'accord. à nos services web, etc., etc., etc. En fait, tout est lié, absolument c'est unifié, tout est lié avec quoi. Ce truc-là. Ok. Tout à fait. D'accord. C'est un système d'authentification unifié. Voilà. Même les programmes en fait, parce qu'on a aussi développé des programmes externes. Je vais en parler aussi après, qui s'appelle par exemple Frogcast, qui est en fait un outil qu'on installe sur sa machine et qui permet de recevoir une notification en fait sur la barre des tâches en bas à droite, parce qu'on a besoin à un moment donné d'envoyer un message, tu vois. Du coup, vous avez des développeurs dans la corpo, c'est Tout à fait. On a en fait une équipe qui s'appelle l'équipe DevOps qui sont en charge en fait de tout l'aspect IT. D'accord. Et donc, il faut savoir que tous nos services sont développés main. Hein. C'est développé par la DFT, c'est le nom interne en fait à cette équipe. Ouais. C'est cette équipe qui est en charge de tout faire. C'est eux qui développent tous les services qu'on a autour. Du coup, ça part de l'authentification unifiée, ça part de la gestion des profils de jeu via notre SSO. Il faut savoir que du coup, on a un truc qui nous permet de lier en fait les comptes des utilisateurs à leur compte Froxfarm pour qu'on sache que c'est eux. Tu vois, c'est un système qui est un peu. Ouais, il y a du boulot derrière tout ça là. Il y a énormément de travail derrière. Il y a depuis 2000. Ouais, depuis 2010, donc tu peux compter, il y a 9 ans de travail. Ok, d'accord. Donc on a ça, on a ce qu'on appelle le PAPLink, j'en parlais tout à l'heure en fait, qui est un outil de gestion en fait de participation. Donc en gros, on gère en fait notre participation avec ça, c'est-à-dire que on crée par exemple un event, on veut qu'effectivement cet event, les gens y participent. Ouais. Donc les gens viennent, cliquent sur un lien pour valider leur participation et ça apparaît dans leur tableau de participation. D'accord, ok. Donc tout est informatisé, bien structuré, que ce soit même in-game au sol jusqu'à tout en haut en termes d'inscription, etc., etc. quoi. Ouais, tout à fait. Et pas que, parce qu'on a aussi un service de sponsorisation, c'est-à-dire qu'un membre peut sponsoriser quelqu'un de sa famille ou quelqu'un en qui il a confiance, qui lui permettra d'avoir des droits immédiats en entrée de Froxfarm. On a un service pro qui est quand même un forum professionnel, faut pas l'oublier, c'est pas un forum, c'est de l'InVision. Donc c'est une vision avec une liste. On a notre fameux logiciel dont je parlais tout à l'heure, le Frogcast. On a notre Mumble, par rapport aux autres Mumble, il est chiffré. Donc toute communication entrante, sortante, sont chiffrées avec un certificat qui est plutôt bien balass. Ouais, ouais. Pareil, notre Discord, on ne peut pas rentrer sur Discord sans être authentifié avec le SSO, puisque du coup, on a un bot d'authentification. Hein, secret défense, les gars. On a une stand. Voilà, on a une standing board, on a un wiki, on a des outils de gestion pour les RH automatiques, on a spécifique pour la gestion des droits utilisateurs, et on a toute une partie sur l'audit propre aussi. Donc tu vois, on est quand même, on est blindé sur les noms de services. On avait fait le compte parce que du coup, des années de service, on s'en rend pas forcément compte, mais il y en avait plus de 24 ou 26 services au total, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble, oui. Et en tout cas, dans les premiers auxquels on a pensé, donc il doit y en avoir plus derrière. D'accord, ok. Vous n'êtes pas des rigolos, si je peux dire, quoi. C'est, tout ce qu'on a appris depuis tout à l'heure, vous êtes assez costaud, quoi, dans tous les termes, dans tous les sens du terme, quoi. Costaud, je dirais pas, je dirais structuré, et puis on sait ce qu'on veut, et puis on a les bons outils qui vont bien. Voilà, c'est un peu comme ça que je le résume. D'accord, ok. Donc finalement, de ce que je peux comprendre, c'est quand même si on vous rejoint, faut vraiment avoir envie de vous rejoindre, quoi. C'est donc de là, je vais te poser la question, quel type de joueur vous recherchez spécialement ? On recherche tout type de joueur à partir du moment où les mecs sont motivés.
Sachant que pour entrer, bien évidemment, il faut avoir plus de 18 ans. On ouais. demande même parfois plus de 21 ans. Ce qu'on souhaite surtout, c'est des gens qui partagent. Alors, il y a quand même deux choses. On est aussi connu pour l'aspect trollesque, en fait, parce qu'on aime bien aussi troller. Donc, du coup, il faut partager un peu cet état d'esprit où finalement, on estime qu'un jeu est un jeu et que ça ne doit pas. Il ne faut pas être trop sérieux sur le sujet. Ouais. Tout en. À côté de ça, on a quand même des ambitions, donc du coup, il faut quand même cette envie de finalement faire du PVP. Hein. Tout le monde n'a pas envie de faire du PVP dans le jeu. Ouais, hein. On l'a ouais. vu dans le passé, il y a beaucoup de gens qui reçoivent très 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 mal l'idée de faire du PVP. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit coucou à Hawk, du coup, des SPN, qui m'avait dit lors de l'interview que si le jeu devenait PVP, eh ben, il arrêterait le jeu. Donc j'espère que tu n'arrêteras pas le jeu, puisque récemment, on a vu donc, du coup, un développeur de CIG qui disait que le jeu, quoi qu'il en soit, sera PVP à un moment donné, que c'était une composante du jeu inévitable et que ben, il fallait bien s'y faire. Voilà. Donc j'espère que Hawk, tu resteras avec nous. D'accord, ok, bah écoute, après oui, il en faut pour tout le monde, hein. T'as du PVP, t'as du PVE, bah c'est pour ça qu'on est sur Star Citizen, parce que c'est, enfin voilà, ça laisse place à l'imagination, et il est ultra, enfin, espérons, il sera ultra complet, quoi, t'auras de tout, quoi, c'est ça, donc ouais, est-ce que, dire qu'il sera pas PVP, non, enfin, t'as... PVP, PVE, c'est complet, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais nous, c'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est-à-dire que il y aura forcément des zones qui seront sécures sur lesquelles le PVP ne sera pas possible, et je pense que ça conviendra à beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire de PVP. C'est très bien. Et nous, de notre côté, on n'est pas du tout réticent à cette idée, parce qu'au contraire, on estime qu'il faut des zones ouais. qui soient sécures, parce que les gens ouais. ont besoin aussi d'être tranquilles. Mais nous, on vivra pas forcément dans les zones non PVP, parce que nous, on aime bien le PVP et que c'est notre truc, quoi. Mais on aimera aussi faire du PVE, bien évidemment. Après, par rapport au PVP, ce qui va certainement arriver plus tard, c'est que on va avoir donc les inventaires physiques, la perte des vaisseaux, etc. Avant de faire une action PVP, il va falloir y réfléchir à deux fois, quoi. C'est ça la mais chose. Nous on est habitué. Ouais voilà c'est ça et c'est ça qui va être peut-être une bonne chose une bonne expérience que tu vas pouvoir mettre dans Star Citizen quoi. On en revient à ce qu'on disait ouais, tout à l'heure finalement. Tout à fait. Nous on ouais. l'espère hein, parce que du coup nous c'est pas perdre nos vaisseaux parce qu'on a perdu. Julien ça nous est arrivé et ça nous arrivera encore. C'est pas je veux dire on est là pour faire du PVP gagnant ou perdant. On a fait du PVP on s'est amusé donc ça s'arrête là. Ouais. Donc ouais. Il y a de nombreuses historiques par rapport à Eve où on s'est fait rétamer et puis 5 minutes après on était revenu quoi tu vois. Ouais. Pour en découdre. Bah oui mais après c'est la revanche quoi on va dire. Donc il y a Citaren qui nous disait le griffing a été défini par CIG lors d'un ATV et c'est pas le PVP. Je veux bien que tu Citaren que tu nous dises un peu plus précisément ce qu'ils avaient dit dans la TV. Je suis curieux de savoir. Non griffing c'est du harcèlement je vais arriver ciblé de joueurs. Ouais mais après comme tu dis voilà tu te fais PVP forcément que t'as envie de prendre ta revanche et y retourner et c'est là où ça peut devenir interminable quoi. Mais dans Star Citizen avant que tu te remettes du PVP ça va être costaud je pense. Ça va dépendre de ton garage, ça va dépendre voilà, de plein de choses. De toute façon, c'est le PVP en soi, c'est pas une fin. C'est-à-dire que tu peux très bien aller à un moment donné batailler avec des mecs, pas avec des mecs, solo, pas solo, en fonction de ce que les gens ont envie. Si tu perds ton chip derrière, c'est entre parenthèses en fonction de ce que tu as dans ton garage qui permettra de revenir sur le field ouais, ou pas. Ouais, ouais. C'est à toi qui revient de dire bah, finalement long je vais pas y retourner parce que je vais reprendre la même baffe et je vais être plus intelligent et je m'arrête là. Voilà c'est ça, c'est exactement ça. Les gars dans le chat si vous avez des questions à poser donc à Nefelia et à Silmeria c'est maintenant, n'hésitez pas à spammer vos questions si je peux dire. Non mais griffing égale défaite en PVP. Le griffing est un mot purement illusoire et fictif inventé par les brels du MMO. Ok, d'accord, tout court, il n'y a pas de problème. Alors, le griffing, en fait, la définition du griffing. Le griffing, dans la réalité, c'est du harcèlement de joueurs, d'accord ? Le harcèlement de quelqu'un qui va effectivement plus pouvoir s'en sortir et pas pouvoir jouer. Nous, on ne peut pas faire de griffing. Nous, ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite, c'est faire du PVP, quel qu'il soit. Et même si, malheureusement, dans un open space et dans un open world, le PVP n'est pas consensuel. Donc, si quelqu'un passe par là, qu'il est tout seul et qu'il croise 50 frogs, et bah, il va durer 3 secondes. Oui, bah, tant pis. Il n'a pas de standing, il passait par là. C'est la mort assurée. Ouais. C'est pas du griffing. Ouais. C'est pas du griffing, c'est du PVP. Ouais, même voilà. si...
Le PVP sauvage est une définition du PVP particulière. Nous, on aime le PVP sauvage. Et c'est pas forcément du consensuel. Non, mais il en faut. Hein. Moi, je suis partisan de voilà que tout chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est possible et réalisable dans le jeu, ben voilà, hein, les développeurs, ils n'avaient qu'à faire quelque chose pour modifier ça. Ou c'est chacun a sa vision, quoi. T'as Elstar Docker qui nous dit, donc vous espérez qu'il y ait un marqueur entre guillemets pour reconnaître vos nappes. Alors. Pardon. Tout ce qui concerne les nappes, on attend de voir notamment comment va évoluer le jeu et les services qu'ils proposeront. On s'adaptera en fonction de l'évolution du jeu. D'accord. Est-ce que je dois quitter Forkswarm et fonder ma corpo pour que tu puisses avoir un allié francophone? Mad Company qui te pose la question, j'imagine. Alors, Mad, si tu pouvais juste quitter, en fait, ça nous arrangerait. Ok, d'accord. Ok. CID a dit le Griffin s'est tué sans utilité. Ouais, de toute façon, s'il y a trop de PVP, dès que les serveurs privés vont sortir, il n'y aura plus personne. Bah, faut voir comment ça va évoluer là. C'est vrai qu'on peut pas dire de suite. On peut pas savoir comment va se passer le PVP demain. Ça, on n'a pas les informations, quoi. Puis cette histoire de trop PVP, moi, ça me fait marrer. Hein, c'est comme à chaque fois. C'est nous, on vous dit, nous, on a le discours de dire, bah oui, c'est normal d'avoir des zones sécures dans lesquelles les gens sont safe, machin, etc. Mais ça, c'est pas une raison pour nous empêcher de faire du PVP de l'autre côté, quoi. Enfin, je veux dire. Je trouve ça complètement ouf comme réaction, quoi. Ouais, non, bah écoute, je sais pas quoi te dire. C'est vrai que c'est particulier, mais moi j'ai toujours été partisan du PVP. Et je sais pas, je vois pas le. Chacun joue comme il veut, faut accepter ça, je pense, quoi. Et tu là-dessus, il a tout à fait raison. Et ça a pas encore commencé. Donc qu'est-ce que ça va être quand ça va commencer? Mais c'est, dire, ça, si on, c'est ça. Si on prend des jeux, je parle souvent de Eve, mais comprenne, Eve ou Star Conflict, c'était la même chose. Il y avait des zones sécurisées de chaque côté. Ouais, les gens ouais. qui avaient pas envie de faire de PVP, c'est très bien là où ils étaient, ils faisaient leurs choses, machin, etc. Et nous, de notre côté, on avait du conquérable, on voulait faire du PVP et avoir du conflit, on en avait. Voilà, il en faut pour tout le monde. Il faut arrêter de dire. Je ne veux pas que le jeu soit PVP, c'est une connerie, il faut surtout pas avoir ce genre de choses-là. Au contraire, c'est super négatif pour le jeu en lui-même, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que le PVP, c'est ce qui est un des points névralgiques de communication, de marketing sur un jeu vidéo. Ce n'est pas sur le contenu PVE qu'un jeu vidéo va faire parler de lui dans le New York Times. Il fait parler de lui. Comme l'a fait EVE Online, c'est pour leur grande bataille, c'est pour les choses qui se passent en 0-0. Donc voilà, à un moment donné, il faut comprendre que c'est finalement dire « on ne veut pas que le jeu soit PVP parce que moi j'ai envie de faire du PVE », les mecs, c'est clairement aller à contre-pied sur la réussite de Star Citizen. Si Star Citizen doit réussir, il doit aussi être PVP. Non mais c'est vrai, comme tu dis, si tu veux pas faire du PVP, tu vas pas sur les zones à risque. Tu fais pas de, comme dit Monte Cristo, tu fais pas de chasseur de primes, Bounty Hunter, tu t'en écartes, quoi, à la limite. Pourquoi, je sais pas. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est particulier. Un MMO sans PVP, alors, c'est un peu comme l'exorciste sans le démon. Non, mais c'est ça, ouais. Tout à fait. Mais j'ai eu une réponse de quelqu'un un jour, parce que à notre dernière interview, en fait, on demandait aux gens de moins nous répondre et poser des questions, et on avait souvent pas de réponse et pas de questions parce que les gens préféraient finalement s'énerver, rester dans leur haine négative sans raison, ouais. plutôt que nous poser les bonnes. Et j'avais eu une réponse de quelqu'un qui m'avait dit ah merde. Ouais, je parle et j'oublie. Ah vas-y, ça va me revenir. Bah, je lis le chat si tu veux pour te sauver. Mais, vas-y, sauve-moi. Les gens espèrent surtout pouvoir se balader en carac, faire de l'explo partout en se tapant juste contre l'IA et ne veulent pas se faire ouvrir par des joueurs. Après, c'est vrai que ça va être gigantesque, quoi. S'il y a 100 systèmes, etc., tu vas pouvoir éviter le PVP. Enfin, moi, je pense pas que ce soit vraiment un problème, le PVP dans Star Citizen, quoi. Chacun va pouvoir décider s'il veut en faire, s'il veut pas en faire. Après, si tu tombes en plein milieu d'une guerre ou si tu te fais attaquer, bah c'est comme dans la vie IRL, quoi. Enfin, tu te défends, tu... C'est comme les autres jeux, si tu me permets. C'est exactement le même principe. C'est le PVP, si tu décides d'aller dans une zone qui est PVP, t'as toujours moyen de l'esquiver. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il suffit de faire attention à ce que tu fais, il suffit de pas warper à n'importe quel endroit, de ne pas te retrouver en fait finalement en face de tes ennemis. Il y a toujours moyen de l'esquiver. Je veux dire, dans Eve, il y avait moyen de l'esquiver, dans Star Conflict, il y avait moyen de l'esquiver aussi. Hein. Le truc, c'est que ça revient finalement à la personne qui rentre
dans ce système, d'avoir la conscience qu'il n'est pas dans un... Il n'est pas en Bisounours Land et que il peut se faire attaquer et qu'à partir de là, il faut qu'il fasse plus attention. Mais quelque part, et moi je connais des gens qui faisaient que du PVE avant et qui se sont mis à faire du PVE dans des zones PVP où les mecs étaient bien conscients du problème et que ce qui pouvait leur tomber dessus et me disaient, ces gens-là, ils me disaient, eh ben écoute, j'adore aller faire du PVE dans les zones PVP parce que du coup, j'ai de l'adrénaline en permanence. À chaque fois, il faut que je surveille pour que je vérifie qu'on n'est pas en train de me scanner, qu'on ne va pas me warper dessus, etc., etc. Et ça rend le jeu intéressant. Voilà. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Au moins, tu as un intérêt de jouer, tu as quelque chose au cœur, tu vois. Tu peux te mettre en pression. C'est pas en mode, tu joues pépère. Ça te donne un but, finalement, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et du coup, je rebondis sur la question de tout à l'heure. C'est donc, du coup, quelqu'un m'avait dit à un moment donné, oui, mais moi, je n'ai pas payé le jeu pour n'avoir accès qu'à 50% de ce. Parce que oui, il va y avoir des zones qui seront PVP dans lesquelles il ne pourra pas accéder parce qu'il ne veut pas faire de PVP. C'était un petit peu Là, qu'est-ce que tu veux dire? On est mal barré là. Oui, on est d'accord que du coup, on a un problème de philosophie derrière ça. Pour moi, c'est. C'est une composante importante du jeu et effectivement il faut que tu acceptes le risque quand tu veux aller dans les zones PVP. C'est un autre sujet quoi. Ouais, parce qu'il y a Monsieur Arnaud qui nous dit, moi je suis l'avis de Hawk, le jeu n'a pas été vendu pour son PVP mais pour son PVE. Mais je crois qu'il disait que, si je dis pas de bêtises, je sais pas, j'ai plus trop le chiffre en tête, mais je crois qu'on va croiser, je sais plus, vous me corrigez les gars même dans le chat ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on va, croiser 90% de PNJ pour 10% de vrais joueurs ou quelque chose comme ça, donc je sais pas, faut voir comment ça va évoluer quoi. Il faut faire vachement attention à ça parce que du coup, entre ce qu'ils ont annoncé et ce qu'ils vont être capables de faire, pour l'instant, on n'a toujours rien. Donc moi, j'attends toujours, encore une fois, c'est beaucoup de spéculation. Ouais. Ouais, après, il y a Lauriade qui vous demande, avec l'expérience que vous avez de Eve, est-ce que si Star Citizen ne sera pas peut-être assez PVE, est-ce qu'il ne va pas, coller à vos attentes peut-être? En fait, dans tous les cas de figure, on a un adage, c'est exactement ce que je disais dans la première interview qu'on a eue en 2000... Putain, c'était quand? C'était en 2015? Je me rappelle plus bien. C'est Adapt or Die. Donc quoi qu'il en soit, en fait, on s'adaptera à ce que le jeu va être. C'est-à-dire que même si on aime le PVP, tu vois, tu confonds du coup. C'est formidable. Même si on aime le PVP, on aime aussi Star Citizen pour le jeu qu'il est. Donc si demain, Star Citizen soit 100% PVE, et bah, on fera du 100% coop et puis ça s'arrêtera là. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, Star Citizen tel qu'il est maintenant en pré-alpha, parce que j'estime que c'est toujours pas une alpha, ça reste quand même 90% de zones PVP avec des petites zones sur lesquelles effectivement on est safe. Mais je crois que j'avais entendu, si je sais pas si je vais te dire une bêtise encore dans un ATV, que les zones démilitarisées à terme il n'y en aura plus. Ça sera vraiment à toi de faire gaffe où tu te balades, etc. etc. quoi. Mais ce qui est encore pire, ça veut dire que ça signifie que du coup le PVP sera une composante obligatoire du jeu. On est d'accord. Du coup, attends, c'est ce que je dis hein, depuis le début, hein, depuis le début vraiment, hein, c'est-à-dire depuis 2013, puisque même en 2013 on n'avait encore rien du tout et ça spéculait dans tous les sens. C'est, il faut qu'on attende d'avoir du contenu pour pouvoir savoir ce qu'on va réellement faire dedans. C'est bien, dans tous les cas de figure, on ne juge pas. C'est ce que je dis souvent dans Rock Star, hein, pas de spéculation. On arrête de spéculer, on a l'habitude des jeux, on sait comment ça marche, machin, etc. Mais on n'a rien aujourd'hui. Et comme on a cette expérience, on sait très bien que tu ne te mets pas à faire des plans sur la comète tant que tu n'as pas de contenu. Ouais, ouais, donc wait and see, comme disent les Anglais ou les Américains, quoi. Et puis voilà, on verra. Mais je vois que oui, ça vous tient à cœur ce côté PVP, PVE, etc. quoi. Mais c'est bien d'avoir mis voilà, au calme ce que vous pensez. Et puis, écoute, tant mieux. Enfin, c'est votre vision du jeu, faut la respecter, je pense. Hein. Bah écoutez, enfin je sais pas si on a fait le tour, si vous avez des choses à rajouter, que ce soit Nefelia ou Silmerias, ou s'il y a des questions dans le chat, mais je vous laisse la parole. Si on a oublié quoi que ce soit, je vous laisse. Alors je voudrais juste parler de Citizen 5. Citizen 5, faut savoir que c'est un Discord prévu majoritairement pour les diplomates, dans le but d'ouvrir facilement la communication entre Français et à l'international avec les Anglais pour commencer. C'est déjà disponible. L'avantage, c'est que c'est un Discord qui est neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il ne peut pas y avoir Silmerias dessus, par exemple, qui va dire toi tu restes, toi tu pars. C'est auto-géré par un bot. D'accord.
Pour le rejoindre, il faut être en 4 ou... Oui, je mets le lien dans le chat. Est-ce que tu peux le mettre ? Ça m'intéresse. Et donc du coup, tu dis il faut être diplomate de sa corpo pour alors, pouvoir accéder faut... ou... Exactement, il faut être en 4 ou en 5 dans sa corporation pour pouvoir accéder au Discord. D'accord, ok. C'est tout en anglais. Je prévois de faire un petit tuto français. Après, franchement, Google Trad fait des miracles. Si vraiment il y a un problème. Mais c'est toi qui as mis en place le Discord ? Pas du tout. Faut savoir que c'est un projet qui est assez ancien. Mai 2014. Et Silmarias l'a entre guillemets dépoussiéré il y a 2 ans, même en 2017. Du coup, ouais. L'idée étant très pertinente, ça va être très utile une fois que le jeu sera plus avancé. J'en fais déjà la promo. Comme ça, ça nous permet d'être tous réunis au même endroit. Et surtout d'avoir la communication avec les Anglais. Une fois que la majorité des corpos françaises seront dessus, ça sera très facile de le vendre à toutes les grosses corpos anglaises. D'accord, ok. Donc tu voudrais avoir aussi une future alliance avec les Anglais peut-être ? Ou c'est quoi le but ? Le but, c'est d'ouvrir la conversation très facilement entre Diplo, et que ce soit entre Français et à l'international. D'accord, ok. D'accord, donc t'as mis le Discord c'est quoi non, c'est, je l'ai... Okay, en fait d'accord. J'ai mis directement la page RSI de Citizen 5 pour que les gens aient le temps de lire et de comprendre les tenants, les aboutissants, à savoir qu'il y a déjà pas mal de corpos qui l'ont rejoint en FR, donc si vous n'êtes pas encore dessus, c'est l'occasion. D'accord, ok. Est-ce que la régie peut peut-être passer le lien, est-ce que le modo peut envoyer à la régie le lien peut-être du forum si tu veux nous l'expliquer plus en détail ou pas, je sais pas, mais qu'on ait au moins une vision sur le lien RSI, la régie. Ouais, ça va arriver. Il y a pas de soucis. Okay, elle est longue cette régie quand même. Ouais, t'as vu, je sais pas ce qu'il fait ce soir, mais on a connu mieux là, vous pouvez le clasher le gars. C'est PVP sur la régie le gars. J'espère que tu le payes pas trop cher quand même. Parce que... Non, il travaille, je lui ai pas fait de contrat, rien là. vous pouvez faire des dons à la régie si vous voulez, mais je sais pas, ils seront détournés certainement, les gars. Non, mais je vois, il travaille là, ça arrive, on va lui laisser du temps, voilà, c'est beau. Voilà. On est bon, voilà. Donc, ouais, Néphélia, si tu peux un peu détailler. Parce que moi, je t'avoue, je suis allé dessus tout à l'heure. J'ai pas compris de suite, alors là forcément tu m'expliques ce que c'est un peu plus clair forcément, mais je te laisse la parole si tu le veux bien. Et on va très simplement le résumer, ouais. Comme on voit il y a des gros titres, ouais. Citizen 5 pour les diplomates et les leaders des organisations, le but, je vais me permettre de le lire... je vais peut-être le traduire en français, je vais faire un peu de traduction orale, donc je suis ouais, désolée. Vas-y, ouais, voilà. Pas de soucis, t'inquiète pas. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons ça maintenant, si tôt avant le lancement du jeu ? Eh ben, pourquoi pas ? Il faut y penser comme un échange culturel en avance sur son temps. Comme ça, tout le monde sera prêt pour le lancement. Parce que imaginez au moment du lancement les prises de tête, les ouais. maux de crâne que vous aurez à essayer de tout faire tourner. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mieux vaut que ce soit fait en avance que le jour J. Et donc, c'est pour ça que ça a été lancé. Les règles, pas de racisme, pas de sexisme, etc. Voilà, pas de, d'harassment. Il ne faut pas linker du Not Safe for Work. Donc des images qui ne sont pas sûres quand vous êtes au travail. Ouais. Voilà. Ne pas ouais. montrer les chat logs sans l'assentiment des personnes qui sont comprises dans la conversation. D'accord. Donc ça, c'est les trois règles du Discord. Comment le rejoindre ? Il faut cliquer sur l'URL Discord. Mm-hmm. Voilà. Vous allez arriver sur un channel qui s'appelle Off Landing. Et c'est là que tout va commencer. Donc déjà, il faut que votre organisation soit en public sur RSI. Donc pas de redacted, pas de hidden. Il faut absolument être rang 4 ou plus
pour pouvoir le rejoindre. Alors, j'avais une question autour de ça, je te coupe, Oui. parce qu'il y a Monte Cristo qui demande comment tu fais pour administrer les rangs au niveau de Alors, ta moi, corpo? j'administre rien. C'est un bot qui gère tout. D'accord. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, juste Non, c'est derrière. pas de ça qu'il parle. Je suis désolé, je vais te couper, mais Très en bien. fait, il parle concernant les rangs. En fait, c'est au niveau des administrateurs de le faire. C'est-à-dire, les responsables ont en fait une interface d'admin en fait sur RSI directement D'accord. sur le site, sur leur Ok. corpo. Ouais. Et en fait, en fonction de leurs membres, ils peuvent leur attribuer des rôles. En fait, Ah, ce sont ces fameux d'accord. rôles. Tu as des rôles qui sont réellement des rôles d'administration, mais tu as aussi un rôle sur lequel tu n'as qu'un. Comment ça s'appelle? Une espèce de rank, donc rank Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et Ouais. effectivement, pour pouvoir accéder à Citizen 5, il faut être en 4 minimum, qui est généralement le rang du diplomate. D'accord, ok, C'est donc c'est juste. le représentant de la corpo qui donne les points de rang. Ouais, qui donne le rang effectivement à son membre en tant que diplomate, et lui ensuite il va aller s'authentifier sur le bot. Le bot va détecter, il va aller directement voir D'accord. sur RSI que le mec a le rang qui va bien, et il va lui donner effectivement le droit. L'idée c'est de derrière Citizen 5, et là-dessus moi j'ai l'historique, donc je vais aller un peu plus loin là-dessus. Ouais. L'historique c'est que ça a été créé par un mec qui s'appelle Iridium, Mmh. en 2014, qui était chez Goon, qui voulait promouvoir en fait un endroit neutre. Pour effectivement pouvoir échanger, faire de la D'accord. diplo, Ouais. et que ce soit pas effectivement à la vue de tout le monde, et que ce soit pas du pugilat, etc. etc. L'intérêt par contre, c'est qu'il voulait absolument que ça reste neutre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de modération possible, et qu'il n'y ait pas d'expulsion possible, etc. etc. Et c'est toujours dans cette direction-là OK. qu'il a été repris. Si finalement quelqu'un se ridiculise lui-même, il ne fait que desservir sa corpo, donc Ouais, ouais, ouais. il n'y a aucune modération, ouais, c'est totalement libre. Ok, bah je te remercie d'avoir bien éclairé ça, parce que dans ma tête, vu que je suis pas représentant de corpo, tout ça, j'avais pas en visu le côté RSI avec donner les rangs, tout ça, mais bah écoute, c'est très clair. Il y a Monte Cristo qui nous demande comment peut-on vérifier le rang de son orga directement sur RSI. En fait, sur le Citizen dossier, c'est marqué sur la corpo. D'accord, ok. Ouais, Néphélia, excuse-moi, on t'a coupé du coup. Yeah, pas de souci. Je pensais juste qu'il demandait comment le bot faisait pour savoir si la Si on personne était était rang 4 ou rang plus, et 5, pas ok, qu'est-ce d'accord. 4 rang 4, pardon. D'accord, ok. Du coup, une fois que vous êtes rang 4, vous le savez, sur le Discord, dans le channel Off Landing, vous mettez un petit point d'exclamation, vous tapez off, AUTH, espace votre RSI handle, là-dessus je précise bien, le handle sur RSI. Ouais. Et on appuie sur entrée. Là, D'accord. le bot, il va vous donner un token. Le token, vous le mettez sur votre profil RSI dans votre bio. Ouais. Vous retapez sur Discord, point d'exclamation off, espace votre RSI handle. Et voilà, vous êtes authentifié, bien sûr, si vous êtes D'accord. en 4 ou plus. Ok. Bah au moins on a la marche à suivre si on est diplomate et qu'on veut rejoindre ce Discord éventuellement pour parler d'éventuelles alliances, ou même si c'est pas une alliance, des corporations, etc. etc. D'accord, bah c'est cool parce que ça a été bien, bien clair, bien expliqué. Hein, ce serait une utopie en effet, en revanche on se donne les moyens de nos ambitions. Ah, Subsi, merci pour le don. Sache que des choses bien plus grosses, point de sécurité n'est pas important, vous avez des parties des évanations. Être déjà. J'ai pas vu tout le message, la régie. Je sais pas si vous l'avez vu, les invités. J'avais pas compris Non. la fin du Ouais, message en moi fait, non sur. plus. Ouais, si tu peux le répéter dans le chat pour qu'on puisse le. Mais je sais pas si on a un historique du message qui vient d'être placé, la régie. Non, je crois pas. Hein. Bon, on attend ton message. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau de Néphélia ou pas? De mon côté, sur la partie diplomatie et communication, j'ai rien à ajouter. D'accord, ok, ça marche. Mais sinon, tu comptes vraiment jouer aussi in-game. Ah oui, totalement. Je veux On est dire, pour le d'accord, moment. t'es une joueuse, quoi. Ah oui, totalement. Je suis une farmeuse PVP. C'est-à-dire D'accord. que je fais du farming et du PVP. D'accord, ok. Bon, bah, je crois que t'as trouvé la bonne corporation. T'es pas là par hasard. Ah non, j'ai mis 5 mois à choisir ma corpo et. C'est pas Ok, pour rien. ça roule. Silberia, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te laisse la parole.
Si j'ai oublié quoi que ce soit. Non, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ouais, non, j'ai pas forcément grand chose à rajouter. À rajouter, oui, si ce n'est comme à chaque fois, ce que je dis à chaque fois qu'on a une interview, c'est attention à la réputation qu'on a ou que je peux avoir, hein, c'est ouais. souvent basé sur du vent. D'accord. Parce que, en fait, beaucoup de gens, c'est ce que je disais, ne nous aiment pas pour les raisons exprimées au-dessus. Et c'est triste parce que, du coup, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on veut vraiment grouper les gens et on veut leur grouper avec autant de succès qu'on a eu dans le passé et vraiment avoir un poids géopolitique important et avoir une grande expérience de jeu dans Star Citizen. D'accord, ok. Et j'ai aucun doute qu'on sera tout à fait capable de le faire. Donc du coup, j'aurais juste une seule chose à dire, si vous voulez vraiment à un moment donné avoir cette expérience de jeu qui est quelque chose d'inoubliable, hein, pour l'avoir fait dans les autres jeux, ouais, on n'oublie pas ça. C'est rejoignez-nous ou que votre corporation nous rejoigne, nous suive dans ces trucs-là, et puis vous verrez que c'est top. D'accord, ok. Bah moi, ce que j'ai à dire et ce que je pense que tout le monde a pu constater, c'est que bah, vous allez vers le bon sens, dans le sens où vous voulez faire des nappes. Enfin, il n'y a rien de malsain, au contraire, c'est une démarche plutôt saine. Et bah c'est tout à votre honneur, quoi, finalement. Comme on l'a toujours été. Non, mais final. Voilà, tu vois, moi aussi, on m'a dit, attention, ils sont sulfureux et tout. Et puis, écoute, après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vous souhaite que tout fonctionne pour vous, que ça se passe très bien. C'est gentil. Ouais. Et je viens juste de me rendre compte que j'ai failli passer à côté de quelque chose. Ah oui, dis-nous. Pour toutes les personnes qui sont en région parisienne, je vous propose qu'on se retrouve tous le 29 juin 2019 au dernier bar avant la fin du monde pour aller boire un coup et se rencontrer IRL. D'accord, ok. Mais c'est bar avant la fin du monde, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? C'est un bar dans Paris, c'est un bar geek. C'est le mieux pour, si on va être beaucoup, parce qu'il y a de l'espace, etc. Et ils sont assez souples si on doit réserver à la dernière minute. Donc c'est avant les vacances scolaires, au moment où tout le monde est sur Paris et tout le monde est prêt à prendre un verre. Il y aura un event qui va certainement popper sur Bar Citizen pour le signaler. Ouais. Donc voilà, les bières c'est bien, donc n'hésitez pas à venir. Bon, mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir le 29 juin 2019. Donc tu répètes le nom du bar pour que tout le monde soit ok là-dessus. C'est au dernier bar avant la fin du monde et on se retrouve à partir de 19h. Ok, pas de problème. Bah écoutez, si on a fait le tour de tout, bah je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et très heureux que vous soyez là ce soir et que voilà, on ait pu avoir une vision globale de votre corporation. Et très bonne surprise en tout cas. Je vous remercie. Merci, nous qui te remercions. Merci beaucoup. Écoute, la régie, ouais, la régie, si tu peux couper le stream et éventuellement si tu veux host quelqu'un, y a pas de problème, je te laisse faire ça. Et un grand merci au chat d'avoir participé autant que ça là, c'est grand grand merci. Et puis en espérant se revoir pourquoi pas in game ou à travers des Discord différents. Merci beaucoup. Ciao ciao. Ciao. Alors...